merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Tu vas acclamer le véritable Dieu que tu as trouvé ce matin. Tu vas acclamer le Tout-Puissant. Tu vas acclamer le ciel à argent. Attends plus fort ce matin. Si tu vois que ton adoration est montée devant le trône de Dieu, acclame plus fort ce matin. Acclame plus fort ce matin. Attends, papa, attends plus fort. Attends plus fort, pour te faire du bien ce matin. Il est venu pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Acclame-le, acclame plus fort. Acclame plus fort ton Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui ne sera rien d'or. Nous avons un Dieu de gloire. Alléluia. On va passer à notre moment de prière de feu. Ce matin, j'aimerais que tu sois vivant. Et il faut croire cette parole que tu vas déclarer ce matin. Notre Dieu est puissant. Mon frère, quand nous venons dans la présence de Dieu, disposons-nous. Nous ne sommes pas venus adorer Dieu des morts. On est venu adorer un Dieu puissant. Lui là qui est l'auteur de ta vie. C'est celui à qui nous sommes venus adorer tous ici. Celui qui nous a rassemblés tous ici ce matin. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Nous sommes venus adorer Dieu. Compassion de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur.
Coule à moi, au nom de Yeshua,
proclame, je proclame ce matin que je suis, que je suis, que je suis immangeable par les sorciers à cause du sang de Jésus. Père Céleste, quiconque dans ma famille voudra manger ma chair, mon âme, ce matin, je déclare qu'il mangera son propre âme, il s'animera de son propre sang. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, Père Céleste, je me nie pas par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, Père Céleste, ce matin, tout sorcier, tout sorcier de ma famille qui s'oppose à mon bonheur, Seigneur, souviens-toi des trois œuvres que tu as accomplies. Quand ton sang a touché la terre, ce matin, Seigneur, agis en ma faveur et entoure-moi de ton sang, de ton sang, au nom de Yeshua. Père Céleste, par la puissance du sang de Jésus, je remporte ma victoire sur tous mes ennemis, ennemis physiques, ennemis spirituels, ennemis à mon mariage, ennemis à mon foyer, ennemis à mes activités professionnelles, ennemis à ma vie, ainsi que ennemis à ma santé, à mon bonheur, à ma sécurité, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, ce matin, je confesse ma victoire sur tous mes ennemis, sur tous mes ennemis, ennemis à mon bonheur, ennemis à mon bonheur, ennemis à ma prospérité. Ce matin, je me libère, je me libère, je me détache, je me délie par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je suis libéré, je suis déchaîné de toute chaîne de la sorcellerie. Ce matin, toute emprise de la sorcellerie sur ma vie, me libère. Ce matin, je sors, fais le mouvement, je sors de tout âge satanique. Ce matin, je sors de la prison satanique. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, Père Céleste, ce matin, je me couvre du sang de Jésus, du sang de Jésus. Je me refuge dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, à ma forteresse. Et je me refuge dans le sang de Jésus. Père Céleste, ce matin, je plaide le sang de Jésus sur ma fille, sur mes enfants, sur mon épouse ou mon époux. Si tu aimes, dis votre femme. Lève la main d'autorité. Dieu dit dans sa parole, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Lève la main d'autorité. Père Céleste, ce matin, je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma fille, sur mes enfants, sur mon époux, au nom de Yeshua. Père Céleste, ce matin, je brise toute malédiction de famille qui pèse sur ma vie par la puissance du sang de Jésus. J'anéantis toutes conséquences sur ma vie au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Père Céleste, ce matin, je rassemble toutes mes bénédictions que le diable m'avait volé. Je récupère cela.
Je ne quitte pas mon succès. Je ne quitte pas ma prospérité. Je ne quitte pas mes finances. Je ne quitte pas ma promotion. Je ne quitte pas mon ministère. Je ne quitte pas mon travail. Au nom de Yeshua. Jésus, je brise toute malédiction provenant de ma lignée paternelle, comme maternelle, depuis 10 générations. Je me libère par la substance vitale contenue dans le sang de Jésus. Au nom de Yeshua, par le sang de Jésus, je suis purifié. Ce matin, par le sang de Jésus, toute malédiction héréditaire est tombée. Au nom de Yeshua, par le sang de Jésus, j'avoue à l'échec tout enfoutement, tout sortilège, tout enchantement, toute forme, toute forme, toute forme, toute forme. D'activité, l'activité, la sorcellerie, la sorcellerie, je contre moi, ma famille, ce matin, je fous tout cela à l'échec par la puissance surnaturelle de Jésus. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, ce matin, je me libère de la malédiction héréditaire. De l'échec répété du célibat chronique, de la pauvreté permanente, de toute forme de mort. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Au nom de Yeshua, Père Céleste, Père Céleste, je lève ma main d'autorité. Je lève ma main d'autorité. Avec le doigt de Dieu. Avec le doigt de Dieu. Je déprogramme toute programmation de l'ennemi. Dans le temps. Dans la saison. Dans le mois. Dans les jours. Dans les heures. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout esprit. D'assassinat, de projet contre ma vie. Ce matin, ce matin, je proclame ma liberté, ma liberté. Ce matin, je proclame que ma destinée s'accomplira, s'accomplira par la puissance surnaturelle du sang de Jésus, du sang de Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sang qui a coulé pour mon salut. Par ton sang, ce matin, je suis sanctifié, je suis sanctifié, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Ma maison est sanctifiée, ma maison est sanctifiée, ma destinée est sanctifiée. Au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Sang de Jésus, sang de Jésus, ce matin, couvre ma maison, couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre mes bénédictions que tu avais prévues pour moi dans ce mois. Sang de Jésus, ce matin, localise-moi et envoie en ce jour du sabbat cette bénédiction que tu as prévue pour moi au nom de Yeshua. Ce matin, je renonce à toute ruse de la sorcellerie, de la sorcellerie. Ce matin, pour Satan. Toi Satan, toi Satan, ce matin, je brise ton emprise sur mon âme, sur mon esprit, sur mon corps, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, au nom de Yeshua, toi sorcier, dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, qui m'empêche d'avancer. Ce matin, je lis des œuvres, ce
de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ce matin. Ce matin. Père Céleste. Père Céleste. Je me débarrasse. Je me débarrasse. Je me débarrasse. De toute œuvre. De l'envoûtement. Ce matin. Tout ce que le diable avait mis à moi. Par la nourriture. Ou par la poisson. Physiquement. Ou spirituellement. Cela sort de moi. Cela sort de moi. Cela sort de moi. Par le feu purificateur du Saint-Esprit. Cela ne s'évapore pas de moi. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Lève la main d'autorité. La Bible nous dit, Dieu est venu pour libérer les captifs. On ne peut pas être en Jésus. Et puis, il y a toujours de la stagnation. Moi, il y a quelque chose à moi. Il y a la rage dans mon cœur. Parce que je ne peux pas être en Jésus. Et puis, ce que j'ai c'est mon cœur et nous, ma soeur, mon frère. C'est foutu, je le dis chaque jour. Si on est Jésus, on doit aller de boire en boire. Mais on ne doit pas rester toujours dans la stagnation. Laissez l'ennemi se jouer de nous. Jamais. Lève la main d'autorité. Lève la main d'autorité. Toi, Satan. Toi, Satan. Toi, Jean. Toi, Jean. Toi, Jean. Toi, Jean. Des ténèbres. Qui vient contre moi. Lorsque je dors. Ce matin. Il fait jour. Ce matin. C'est la lumière. Je détruis tes œuvres. Je foudroie tes œuvres. Je foudroie tes œuvres. Je sors de ton emprise. Je sors de ton emprise. Sois Satan. Toi, Jean, de la sorcellerie. Dans ma famille paternelle. Dans ma famille maternelle. Qui avait vu ma destinée. Et qui me combat. Qui me combat. Dans le règne des ténèbres. Mais ce matin. Ce matin. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te paralyse. Je te paralyse. Par le feu. Par le feu, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, toi sorcière, toi sorcière, qui avais vu ma destinée dans le règne des ténèbres et qui me poursuit ce matin, j'envoie la boule de feu dans ta base, dans ta base, que la boule de feu que j'envoie te paralyse. Tu tombes et tu meurs. Tu meurs. Tu meurs. Et moi, je prospère. J'évolue. J'aille de quoi en quoi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père Céleste, j'arrive dans ta parole. L'ennemi viendra contre nous par ce chemin. Mais ce matin, je déclare et je déclare qu'il s'en aille. Par cette chemin, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, par le sang de Jésus, je suis désenvoûté, je suis désenvoûté. S'il y avait l'envoûtement en moi, ce matin, je déclare et je confesse, je suis désenvoûté de tes œuvres, de tes œuvres, au nom de Yeshua, Seigneur Jésus. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Ce matin, ceux qui me combattent, combattent. Soit l'ennemi. Soit l'adversaire. Fous-toi-le. Par ton feu. Seigneur Jésus. Je dis dans ta parole. Je suis venu pour libérer les captifs. Dans ma captivité. Ce matin. Au nom de Yeshua, Seigneur Jésus, j'ai dit dans ta parole, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Ce matin, j'ai la victoire, j'ai la victoire, je confesse de ma bouche la victoire à moi. Que ce matin, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Commence à battre tes mains. Donne-le-moi la gloire à Jésus.
identité d'homme. Par le sang de Jésus-Christ, commence à dire merci à Dieu. Et crois la parole qui sort de toi ce matin. Il est le Dieu qui exauce. Dis-lui merci ce matin. Par la foi, dis-lui merci. Merci pour ta vie. Je reconnais mon frère qui s'est sans ambition. Je reconnais mon autorité. Nous devons croire toi. Je suis ma maison. Il merci pour la vie que tu es dans ce matin. C'est un privilège de nous tenir au Père Tout-Puissant. Il merci ce matin. Il est dans sa parole. Ouvre la bouche. Afin que lui remplit ta bouche. Va remplir ta bouche. Il te donne la victoire. Je reconnais que tu es dans la vie. Dis merci. Seigneur, nous te rendons tout à toi. Sois magnifié ce matin. Sois adoré. Que Dieu ne recevra la gloire. Je l'ai tout puissant. Je crois en tes œuvres, Seigneur Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur, réelle. Ta parole dans la vie. Dis-le merci. Alléluia. Alléluia. Acclame ton Jésus ce matin. Acclame ton Jésus ce matin. Disposer ton esprit, ton âme pour la parole qui vient. Comment cette parole qui va venir ce matin? Qu'elle rentre en toi, qu'elle demande toi, qu'elle te transforme. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Quand tu as prié Dieu, que sa parole qui vient te transforme, te bonifie ce matin, te transforme totalement. Ouvre la bouche, commence à prier. Disposer ton cœur, ton âme, afin que sa parole qui vient te transforme. L'ange de l'éternel, l'homme de Dieu, apporte un plan. Acclame le Seigneur pour sa vie. C'est le Seigneur Jésus que tu dois acclamer. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec une idole. Je te prie ce matin d'acclamer de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton âme, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, la femme de l'Église, le Dieu vivant.
Amen. Je veux que quelqu'un qui connaît les paroles de ce cantique les chante avec moi, afin de glorifier le roi des rois. Voilà ce que dit les paroles. You are the pillar that hold my life. You are the pillar, you are the pillar that hold my life. Master Jesus, you are the pillar that hold my life. The chains of this, you are the pillar that hold my life. On va le dire en français. Tu y es le pilier qui soutient ma vie. Ô Seigneur Jésus-Christ, tu es le pilier qui soutient ma vie. Je ne veux pas que tu restes assis, mon bien-aimé. Bien-aimé, il s'agit que de mon Dieu, Seigneur Jésus. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Ma bien-aimée, je veux que tu te tiennes debout. Admettons que le président soit arrivé ici. Ou devra arriver ici. J'ai la certitude qu'on allait s'arrêter pendant des heures. C'est pourquoi ce matin, toi qui es un père enfant, je veux que tu te tiennes debout. Et qu'ensemble nous élevons la voix. Et que nous rendons gloire au Seigneur Jésus. Ma vie, Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Alpha et Omega, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier, tu es le pilier qui soutient. Tu vas dire au Seigneur Jésus, Père éternel, comme tu as envoyé Moïse et Aaron, comme tu as envoyé Moïse et Aaron, te révéler à Israël, te révéler à Israël, afin de le faire sortir du joug de fer, afin de le faire sortir du joug de Pharaon, de Pharaon. Ce matin, fais-nous venir Moïse. Ce matin, fais-nous venir Moïse. Fais-nous venir Moïse et Aaron. Et Aaron. Afin de te révéler à nous. Et de nous faire sortir. Ce matin, Saint-Esprit, quand tu t'es révélé à Moïse et à Aaron, et tu les as dépêchés en Égypte afin de libérer Israël de la captivité.
captivité. De la captivité. Faire revenir Moïse et Aaron. Afin de nous libérer. Afin de nous libérer. Du joug de l'ignorance. Du joug de l'ignorance. Afin de faire tomber. Afin de faire tomber. Les écailles de nos yeux. Les écailles de nos yeux. Afin de nous montrer le chemin. Afin de nous montrer le chemin. Et de nous emmener. Et de nous emmener. Dans la foi de Canaan. Foi de Canaan. Et qu'aucun d'entre nous. Et qu'aucun d'entre nous. Ne s'écarte. Ne s'écarte. Cet esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je prie que cet enseignement. Que cet enseignement. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Convertisse mon cœur. Convertisse mon cœur. Convertisse mes pensées. Convertisse mes pensées. Convertisse mon langage. Convertisse mon langage. Me pousse à abandonner. Et me pousse à abandonner. Ma vieille nature. Ma vieille nature. Afin que. Afin que. Les choses anciennes. Les choses anciennes. Passent. Passent. Et que toutes choses. Et que toutes choses. Selon ta parole. Selon ta parole. Deviennent nouvelles. Deviennent nouvelles. Cet esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu. Par cette semence. Par cette semence. Nourris mon âme. Nourris mon âme. Par cette semence. Par cette semence. Nourris mon esprit. Nourris mon esprit. Par cette semence. Par cette semence. Nourris mes pensées. Nourris mes pensées. Et donne-moi. Et donne-moi. De naître. De naître. Au nom de Jésus, acclame fortement le Seigneur. Dis à quelqu'un ce matin. Dis à quelqu'un ce matin. Dis à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin ce matin. Le salut est entré dans cette assemblée. Le salut est entré dans cette assemblée. Le salut demeure dans cette assemblée. Le salut demeure dans cette assemblée. Le salut est rentré dans cette assemblée. Le salut est rentré dans cette assemblée. Comme le Seigneur Jésus. Comme le Seigneur Jésus. Est rentré dans la maison de Zachée. Ainsi ce merveilleux jour. Ainsi ce merveilleux jour. Le salut. Le salut. Le salut pour lui. Le salut pour lui. Est entré dans cette assemblée. Est entré dans cette assemblée. Et elle, il ne retournera pas. Elle, il ne retournera pas. Sans que tous ceux. Ah, sans que tous ceux. Qui sont dans cette assemblée. Dans cette assemblée. Qui sont dans cette assemblée. Soit élevé. Soit élevé. Soit élevé. Soit élevé. Spirituellement. Spirituellement. Physiquement. Physiquement. Moralement. Moralement. Socialement. Socialement. Intellectuellement. Intellectuellement. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Toute personne dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu restes concentré. Bien-aimé, je veux que tu restes concentré. Alléluia. Amen. Pour ceux qui savent lire et écrire. Pour ceux qui ont la capacité de lire et d'écrire. À l'avenir, lorsque vous venez dans l'assemblée. À l'avenir, lorsque vous serez dans l'assemblée. Je vous exhorte. Je vous exhorte. À venir avec un stylo. Avec un stylo et un cahier. Afin de noter les enseignements que vous allez recevoir. Je veux rappeler un enfant de Dieu. Que l'église du Seigneur est aussi une école dans laquelle on vient pour acquérir le savoir, pour acquérir la connaissance, pour grandir spirituellement et pour devenir un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Non plus un bébé spirituel, mais un homme fait, une femme faite. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un, peut-on perdre le salut? Dis à quelqu'un, demande à quelqu'un, est-ce qu'on peut perdre le salut? Alléluia. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Bien-aimé, Proverbe 1, verset 7 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Et le livre de Jérémie 17, verset 9 dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Et le livre de Proverbe 15, verset 12 dit, le moqueur n'aime pas qu'on le réprime. Il ne va point vers les sages. Alléluia. Bien-aimé, tu vas garder les yeux fermés. Et nous allons recommander ce moment de partage, de nourriture solide entre les mains du Seigneur Jésus. Amen. Père éternel, je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges dans la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Oui, tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ce matin, Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tu mettes les paroles dans ma bouche, afin que cela devienne comme du miel dans le palais de chacun de tes enfants, afin que ceux-là qui étaient encore dans la captivité de l'ignorance sortent de la captivité, non de marche selon ton plan. Seigneur, je prie afin que ton nom seul sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Éloignez-moi la vantardise. Amen. Seigneur, je me fais tout petit afin que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus. Père éternel, conduis-moi selon ta dispensation. Et que ton règne vienne en ce lieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Bien aimé, première question. Première question. Peut-on perdre le salut après l'avoir obtenu? Est-ce qu'il est possible de perdre le salut après qu'on l'ait obtenu? Qui a reçu le salut ici?
qui a reçu le salut ici. Amen. Gloire à Jésus. On entend beaucoup de communautés religieuses qui disent que le salut ne se perd pas. Amen. Et que une fois sauvé, sauvé pour toujours. On entend aussi d'autres communautés qui disent que le salut peut se perdre. Amen. Et donc, entre ces deux doctrines, nous allons voir laquelle des doctrines qui est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que lorsque l'on obtient le salut, on peut le perdre? Ou est-ce que lorsqu'on a obtenu le salut, on ne peut plus le perdre? Ce qui sous-entend que si j'ai reçu le salut, je peux faire de ma vie tout ce que je veux. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois réellement disposé à écouter. Parce que ce message va faire du bien à l'âme de beaucoup d'enfants de Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Naturellement, on a l'habitude d'entendre tu seras béni, tu vas te marier, tu auras un boss, je vois que tu as le visa pour l'Angleterre, je vois ton déménagement, je vois la grâce du mariage sur ta vie, je vois une promotion. Mais ce genre de messages qui parlent du salut, on les entend rarement. Et aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce, la primeur d'entendre le message qui vient pour nourrir ton âme. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Romains 10, verset 10. C'est quoi le salut? Avant de chercher à savoir si on peut perdre le salut, si on ne peut pas le perdre, on va se poser la question de savoir c'est quoi le salut. Puisque tout le monde ici dit qu'il a reçu le salut. Donc on va rentrer dans les détails, dans les profondeurs de la parole de Dieu. Amen. On va prendre une loupe et puis verset après verset, argument après argument, fondé sur la parole de Dieu, on verra c'est quoi le salut et qui a le salut et qui ne l'a pas et comment l'obtenir. Gloire à Jésus. Romains chapitre 10, nous sommes au verset 10. Amen. Car c'est en croyant du cœur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Oui. Qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. On peut considérer le salut comme l'action de sauver quelqu'un d'un danger imminent. Amen. Amen. On peut considérer le salut comme le fait d'épargner quelqu'un d'une situation chaotique. Alléluia. Amen. On peut considérer le salut comme l'action de sauver quelqu'un de façon in extremis d'un danger qui le guettait. Admettons que la chape de l'Éternel traverse la route et que sans s'en rendre compte, il y a un camion qui vient et quelqu'un vient la projette pour ne pas que le camion passe sur elle. On va dire ici qu'il a sauvé de façon in extremis. On peut même considérer cette personne comme son sauveur. Alléluia. Amen. Revenons à la question de savoir c'est quoi le salut. Amen. Prenons acte 1, verset 8. C'est quoi le salut? Acte chapitre 1, nous allons au verset 8. Amen. Si nous sommes là-bas, on dit amen, je vais faire la lecture. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est quoi le salut? Amen. Amen. On va rentrer dans les détails. Prenons le livre de Psaume 62, verset 2. Amen. Psaume 62. C'est quoi le salut? C'est qui le salut? Psaume 62, verset 2. Oui. Oui. C'est en Dieu que mon âme se confie. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Alléluia. Amen. C'est qui ou c'est quoi le salut? Alléluia. On peut dire que le salut, c'est d'abord c'est Dieu. Alléluia. Mais qui est ce Dieu-là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se font appeler Dieu. Allah se fait appeler Dieu. Bouddha se fait appeler Dieu. Dans nos villages, Tatoué se fait appeler Dieu. Bayeré se fait appeler Dieu. Fontou se fait appeler Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, quel est le nom de notre sauveur? Qui porte le nom du sauveur? Qui accorde le salut? Alléluia. Prenons acte 4, verset 12. Acte chapitre 4, nous sommes au verset 12. Amen. Je lis. Il n'y a de salut en aucun autre. La parole de Dieu dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel. Car sous le ciel. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Qui a été donné. N'a été donné. Parmi les hommes. Oui. Par lequel nous devions
être sauvé. Alléluia. Amen. Mais comment s'appelle celui qui nous accorde le salut? Alléluia. Comment s'appelle celui qui donne le salut au saint? Au verset 10. Hein? Sachez-le tous. Oui. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Hein? C'est par le nom de Jésus-Christ. Ah! Alléluia. Amen. C'est par le nom de Jésus-Christ. Qui est le sauveur? Jésus-Christ. Qui accorde le salut? Jésus-Christ. Et puis regarde comment tu l'acclames. Ah. Regarde comment tu l'acclames. Qui est le sauveur? Jésus-Christ. Qui est le sauveur? Qui accorde le salut? Qui est le sauveur? Qui accorde le salut? Qui est le sauveur? Qui accorde le salut? Qui est le sauveur? Qui est le sauveur? Qui accorde le salut? 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 Qui est le sauveur? Qui est le sauveur? Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je te dis, reste disposé. Le Seigneur va travailler sur ma tête. Je veux que tu restes concentré. Matthieu chapitre 1, verset 21. Alléluia. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras quel nom? C'est lui. Ah. Qui sauvera. Ah. C'est lui. Qui sauvera. Quel est son nom? Son peuple. De ses iniquités. Quel est son nom? Jésus. Quel est le nom du sauveur? Jésus. Quel est le nom de celui qui porte le salut? Quel est le nom du sauveur? Jésus. Quel est le nom du sauveur? Jésus. Quel est le nom de celui qui a porté le salut? Alléluia. Amen. Bien-aimé, la salle est électrique. Ça fait un vrai poteau de haute tension. Tu seras visité ce matin. Non, merci. Dis, je serai visité ce matin. Je serai visité ce matin. Dis, je serai visité ce matin. Je serai visité ce matin. Dis, ce qui m'empêchait d'avoir le salut. Ce qui m'empêchait d'avoir le salut. Sera arraché de moi. Arraché de moi. Ce qui m'empêchait d'avoir le salut. Ce qui m'empêchait d'avoir le salut. Sera arraché de moi. Sera arraché de moi. L'esprit méchant. L'esprit méchant. L'esprit de famille. L'esprit de famille. Le mari de nuit. Le mari de nuit. Les esprits de mort. Les esprits de mort. Les esprits territoriaux. Les esprits territoriaux. Les démons de réclamation. Les démons de réclamation. Les femmes de nuit. La femme de lui, les esprits méchants, les esprits méchants, qui empêchent d'avoir le sang, empêchent d'avoir le sang, seront arrachés de mon sang. Au nom de Jésus. Ça vient. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir dans la prison. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose ce matin, qui est primordial pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Évidemment, si c'est par Christ, si c'est par le Seigneur Jésus-Christ, que nous devons obtenir le salut. Nous devons comprendre qu'en Paris Cochet, qu'en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a point d'autre sauveur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous devons comprendre. Si nous reconnaissons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité, qui apporte le salut, Paris Cochet, nous devons comprendre qu'en dehors du Seigneur Jésus, il n'y a point d'autre sauveur. Alléluia. Bien-aimé, je veux te mettre à l'aise ce matin. Amen. Le salut ne peut pas s'obtenir par Allah. Dis à quelqu'un, le salut ne peut pas s'obtenir par Allah. Le salut ne peut pas s'obtenir par Allah. Mais c'est évident. C'est tellement évident. Pour les simples raisons que les hadiths de Mahomet sont purement charnels. Les hadiths de Mahomet, le Coran, est une doctrine purement charnelle. Alléluia. Les hadiths de Mahomet font croire que Adam, Ève, Sarah, Marie, mère du Seigneur Jésus, en chair et non pas mère de Dieu, alléluia, sont des musulmans. Or, nous savons tous que nos patriarches n'ont jamais été musulmans. Ils se relèvent non pas à Médine, non pas en Arabie Saoudite, mais en Israël. À la base, les Israélites ne sont pas des musulmans, ils sont des Israéliens. Alléluia. Malheureusement, les hadiths de Mahomet prêchent la haine, la violence verbale, la violence physique, la loi du talion, la pédophilie, oui. Évidemment, la doctrine de l'islam n'est pas fondée sur l'amour, mais sur la haine. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. La doctrine de l'islam n'est pas fondée sur le pardon, mais sur la loi du talion. Le œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Alléluia. Oh, la doctrine de Christ, elle est fondée sur l'amour, sur le pardon, sur la sanctification, sur la justice,
sur la vérité, sur l'évangélisation. Alléluia. Sur la persévérance de la foi. Matthieu 5, verset 43 à 45. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 45. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Oui. Et tu haïras ton ennemi. Amen. Même moi. Je vous dis. Oui. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Voici la doctrine du Seigneur Jésus. Aimez vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et priez. Voilà la doctrine de Jésus. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Oui. Afin que oui. Vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père. Qui est dans les cieux. Alléluia. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 24, verset 14. Voici l'une des doctrines de Christ. Matthieu chapitre 24, nous sommes au verset 14. Oui. Cette bonne nouvelle du royaume, oui, sera prêchée dans le monde entier. Amen. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voici une autre doctrine de Christ. Il nous recommande d'annoncer l'évangile. Claire. Dans les gares. Dans les hôpitaux. Alléluia. Dans les endroits où il y a du monde. Alléluia. Au feu tricolore. Alléluia. Dans nos familles. Alléluia. Dans nos belles familles. Alléluia. Au milieu de nous. Alléluia. Dans nos services. Alléluia. À l'école. Alléluia. Marché. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Matthieu 5, verset 38 à 41. Matthieu 5, verset 38 à 41. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Un pour œil. Ah. Et dent pour dent. Oui. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Oui. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, regarde ce que le Seigneur nous recommande. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Alléluia. Si quelqu'un veut plaider contre toi, amen. Et prendre ta tunique, amen. Laisse-lui encore ton manteau. Oui. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Bien-aimé, c'est la doctrine de l'amour. Amen. Et ça, vous ne le retrouverez jamais dans aucune autre religion. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu chapitre 6, nous sommes au verset 14 à 15. Oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. C'est bien ce que le Seigneur Jésus. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses. Oui. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Oui. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce qui nous démontre que le christianisme, que Jésus est le sauveur de l'humanité, c'est qu'il nous enseigne le pardon. Claire. Ma bien-aimée m'a fait du mal. L'homme de Dieu m'a fait du mal. Il n'y a pas de charia ici. Même quoi que j'ai raison, je vais m'humilier devant lui. L'homme de Dieu, tu as marché sur mon pied, mais je te pardonne. C'est l'une des vertus du christianisme. C'est l'une des doctrines que le Seigneur nous enseigne. Les vertus de l'amour. Alléluia. Amen. Lévitique 20, verset 26. Lévitique chapitre 20. Le pardon. Lévitique chapitre 20, le verset 26. Alléluia. Je suis là-bas. Vous serez saint pour moi. Regardez ce que l'Éternel dit. Vous serez saint pour moi. Il dit, vous serez saint pour moi. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi, l'Éternel. Oui. Je vous ai séparé. Qui ici a des enfants? Qui ici a des enfants? Vous n'avez jamais dit à vos enfants, ne suivez pas tel enfant. Qui d'entre vous n'a jamais dit à ses enfants, je ne veux pas que tu marches avec ces enfants-là. Je ne veux pas que tu marches avec ce gamin-là. Je ne veux pas que tu marches avec cette fille. Bien-aimé, pourquoi, en tant que père de famille, tu veux interdire à tes enfants ou à ton enfant de marcher avec un tel enfant? On peut lui donner le micro là-bas, s'il vous plaît. Oui, le caméraman. Pourquoi, en tant que père de famille, tu vas demander à tes enfants de ne pas marcher avec tel ou tel enfant dans le quartier? C'est pour leur bien et pour leur protéger. Ah, il dit, le caméraman dit, c'est pour leur bien et pour leur protection. Ainsi l'Éternel dit, dans le livre de Lévitique 20, verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Tels, nous qui sommes pères de famille et mères de famille, nous ne pouvons pas accepter que nos enfants marchent avec des enfants de mauvaise compagnie, de mauvaise mœurs. Ainsi, l'Éternel ne veut pas que nous marchions avec des gens qui risquent de nous condamner ou qui risquent de nous arracher ou de nous voler notre salut. Alléluia. Amen. 1 Jean 2, verset 21 à 25.
1 Jean chapitre 2, verset 21 à 25. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, alléluia, n'a pas non plus le Père. Alléluia. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Claire. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Amen. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Au verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, enfant de Dieu, tu as besoin que Moïse et Aaron viennent en Égypte et t'enseignent les voies du Seigneur afin de ne pas te tromper. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu découvrent Christ et sûrement par besoin d'ordre matériel, peut-être parce qu'elle cherche un enfant, décide de se détourner de la vérité et va s'attacher à des idoles dans le but que ces idoles-là leur donnent l'enfant. Mais au risque de te tourner, je veux te dire ce matin que le salut ne peut pas s'obtenir en rendant un culte à la statue de Marie. Oui. Alléluia. Non, mais le salut ne peut pas s'obtenir en te prosternant devant une idole. Alléluia. Bien-aimé, je le dis et je le répète, le salut ne peut en aucun cas, amen, s'obtenir par le culte marial. Amen. Parce que déjà à la base, le culte marial et toutes les dogmes du système catholique ne figurent aucunement pas dans la parole de Dieu. Tout ce qui se fait dans le système catholique est contraire à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Commençons par le début. La papauté. Ce qu'on appelle le vicarius philisté. Amen. Qui dit qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Bien aimé, c'est archi faux. Et on dit de lui que toutes ses décisions sont infaillibles. Or, nous savons que le seul qui est infaillible et dont les décisions sont infaillibles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, nos décisions sont faillibles. À moins que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. La célébration de la Toussaint, qu'on appelle la fête des morts, ou la fête dédiée aux morts, chose qui est contraire à la sainte doctrine, à la parole de Dieu. Amen. La Bible dit qu'après la mort vient le... Amen. Évidemment, lorsqu'on meurt, on est jugé. Il n'y a pas de purgatoire. C'est un mensonge éhonté du système catholique. Et ce mensonge ne peut en aucun cas donner le salut. Alléluia. Verset 27. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 27. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Clair. Amen. Amen. Le chemin de croix. L'Eucharistie. Les prières étant à toi. Le je vous salue Marie. Bien-aimé, cela ne peut pas donner le salut. C'est dédié à une idole, non pas au Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, je disais que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec une idole. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être quelque chose va te choquer. Avant de construire une bâtisse catholique, les prêtres vont être incinérés. Et la cendre des prêtres vont être mise dans la fondation avant de bâtir l'église. Ça non plus, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Les ventes des bagues, les ventes des médaillons, les ventes de crucifix, gloire à Jésus, les cours de catéchèse, les baptêmes d'enfants, en principe les baptêmes se font lorsqu'on a un certain âge, l'âge de la conscience du bien ou du mal. Amen. Quand on baptise un bébé, cela n'a aucune portée. Parce que pour être baptisé, il faut d'abord croire que Jésus est Dieu. Ensuite se repentir de ses péchés et l'accepter comme son Seigneur. Or, un nouveau-né ne peut pas faire cela, n'a pas cette capacité. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Amen. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Amen. Hommes frères, Que ferons-nous? Que ferons-nous?
Pierre leur dit, oui, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, oui, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, oh, un nouveau-né n'a pas la capacité de se repentir. Alléluia. Amen. Il ne sait même pas parler. Un nouveau-né a quelques facultés. La faculté de téter, de faire popo. C'est tout. C'est tout. Faire téter et faire popo. Tout le reste, il n'est pas conscient de cela. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous pouvons dire que les dogmes du système catholique, le culte marial, ne peuvent donner le salut. Alléluia. Galates 1, verset 8 à 9. Galates chapitre 1, verset 8 à 9. Amen. Mais, oui, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, oui, qu'il soit anathème, nous l'avons précédemment dit, oui, nous l'avons plutôt dit précédemment, oui, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on lit le livre de Marc 11, verset 17, le Seigneur nous révèle quelque chose. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une cavette de voleurs. Amen. Les ventes d'huile sainte, dites sainte, les ventes d'encens, les ventes de barques, les ventes de bougies magnétisées. Alléluia. Les ventes de crucifix, les ventes de idoles sont contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons dire que tout ce qui se fait dans le système catholique ne peut pas donner le salut. Et c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons le devoir, avec amour, d'aller annoncer l'évangile à nos proches qui sont dans ce système-là. Gloire à Jésus. Nous pouvons aussi dire que le salut ne peut pas s'obtenir par le culte dédié à l'idole de Bouddha, à la statue de Bouddha, alléluia, à la statue de Krishna ou de Shiva. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des idoles. L'Éternel, dans sa parole, nous recommande de fuir deux choses, l'impudicité et l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Amen. On entend dire ici en Côte d'Ivoire que quelqu'un dit qu'il est au-dessus de notre Seigneur Jésus et qu'il porte le nom de Kakou Philippe. Il dit qu'il est le sauveur de notre temps et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et si nous, on ne va pas vers lui, nous sommes égarés. Alléluia. Il prend un message qui s'appelle le cri de minuit. Alléluia. On baptise en son nom. Il a même écrit une Bible qui est contraire aux Saintes Écritures. Bien-aimés, méditons ensemble le livre de Jérémie 17, versets 5 à 6. Voilà ce que le Seigneur dit de ce genre de personnes. Jérémie 17. Versets 5 à 6. Jérémie chapitre 17, je suis là-bas. Quelqu'un ne sait pas. Matthieu 24, verset 23 à 24. Jérémie 17, verset 5 à 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui prend Kakou Philippe pour son appui. Parce que c'est la chair. Il est comme un misérable. Regardez ce que le Seigneur dit. De ceux-là qui disent que leur pasteur est Dieu. Et que si on ne va pas vers le pasteur, ces personnes seront damnées. Regarde ce que le Seigneur dit. Il est comme un misérable dans le désert. La Bible dit, dans le livre de Jérémie 17, 6, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée. Ah. Et sans habitants. Voilà ce que le Seigneur dit. De ceux-là qui font leur espérance dans un homme et qui disent que mon pasteur est Dieu. Matthieu 24, verset 23 à 24. Matthieu 24, verset 23 à 24. Oui. Si quelqu'un vous dit alors. Si quelqu'un vous dit alors. Le Christ est ici. Regardez, on dit aujourd'hui, on nous parle d'un Jésus parlé. Hein? On dit c'est lui le Dieu de l'univers. Oh. Donc beaucoup aujourd'hui vont vers lui. Donc si on nous dit aujourd'hui qu'il y a un Jésus parlé à cet ainsi. Hein? Si quelqu'un vous dit alors. Oui. Le Christ est ici. Oui. Où? Il est là. Oui. Ne le croyez pas. La parole de Dieu dit, ne le croyez pas. Car hein? Il se lèvera. Car il se révèle, il se lèvera. De faux Christ. De Kakou Philippe. Et de faux prophètes. De William Branham. Ils feront des Jésus Baoulé. Amen. Des parfaits Banamé. Amen. Même encore à Sidensi, il y a une dame qui dit qu'elle a le Saint-Esprit. A Yopougon.
à l'entrée de Yopou, dans zone industrielle, il y a une autre dame encore qui dit qu'elle est le Saint-Esprit. Le monde. Parce que le monde aime ce qui appartient au monde. Et les gens courent vers eux pour pouvoir obtenir le salut, la grâce, le bonheur, la stabilité, la joie, la satiété. Or, c'est un piège pour leur âme. Allons-y. Amen. Apocalypse 1, verset 7. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Apocalypse 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Oui. Voici. Voici. Il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Oui. Regardez ce que la Bible dit. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc, Jésus ne peut pas être localisé à Sikensi. Quelque part dans un village, dans un quartier. Et on circoncit l'endroit et on dit, en dehors de ce lieu-là, si vous ne venez pas forcément dans ce lieu, vous ne pourrez pas être sauvé. Bien-aimé, dis à quelqu'un, celui qui sauve, c'est Jésus. Celui qui sauve, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je continue. Je veux dire à quelqu'un que le salut ne peut pas s'obtenir par le prophète William Marion Branham. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la base, il va créer une secte qui s'appelle le Branhamisme, où on entend une doctrine qui s'appelle le message du soir. Et dans cette secte-là, ce n'est pas le temps de la fin, ce n'est pas l'évangile, la sainte doctrine qui est prêchée, mais ce sont des petites brochures qu'il a écrites, non pas inspirées de Dieu, mais inspirées de lui-même. Et donc, dans leur communauté, on va dire, non pas que le Seigneur Jésus dit, mais William Marion Branham a dit. Marion Branham a dit. William a dit. Et souvent même, les baptêmes se font, non pas au nom du Seigneur Jésus, mais au nom de William Marion Branham. Lévitique 26, verset 1. Lévitique chapitre 26. Verset 1. Lorsque on lit les Écritures, vous allez constater que le Seigneur interdit formellement qu'on le représente par des idoles, par des images ou par des figures d'hommes ou d'animaux. Mais malheureusement, dans cette secte, vous allez constater un fait. À la chair, il y a la photo du pasteur et il y a la photo d'un faux Jésus. Or, nous savons tous que lorsque le Seigneur Jésus existait, les appareils photos n'existaient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Vous ne ferez point d'idole, je suis dans Lévitique 26, verset 1. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, oui, ni statue, oui, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure. Alléluia. Vous prosternez devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux rappeler à quelqu'un, parce que malheureusement, beaucoup encore au milieu de nous, quoique venant dans l'assemblée, quand les choses deviennent extrêmement difficiles pour eux, que de persévérer dans la prière et dans le jeûne afin d'obtenir la grâce du Seigneur, c'est un continu encore d'aller chez les marabouts. Parce qu'on vient à l'église, on n'a pas la solution à son problème, on peut faire porter son regard vers les marabouts, les féticheurs. Souvent même, on va retourner au village, aller voir les grands-parents et dire, consulte les génies pour voir ce qu'ils disent sur ma vie. Parce qu'ici, on ne prophétise pas sur moi. Parce qu'ici, on n'a pas encore parlé de mariage sur ma vie. Parce qu'ici, on ne m'a pas encore dit que je vais travailler. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que la tradition, ta tradition, ne peut te donner le salut. Les génies que tu vas consulter chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les féticheuses, ne peuvent te donner le salut, ne peuvent te donner même le salut à ces féticheurs, à ces marabouts. Marc 7, verset 6 à 9 et verset 13. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'aucune tradition dans le monde ne peut donner le salut. On entend souvent des gens qui disent, mais nous dans notre tradition c'est comme ça. Mais je vais te dire quelque chose ce matin. Ta tradition n'est pas au-dessus des commandements de Dieu. Ta tradition n'est pas au-dessus des règles de Dieu. Ta tradition n'est pas au-dessus des ordonnances du Seigneur Jésus. Marc chapitre 7, verset 6. Verset 6. Jésus leur répondit, oui, hypocrite, oui, Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, amen. Ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. C'est en vain ces cadeaux, ces bons ans qu'il rend un culte à mon nom. En donnant des préceptes. Amen. Qui sont des commandements d'hommes. Amen. Au verset 13. Qui sont des traditions d'hommes. Annulant ainsi la parole de Dieu. Oui.
par votre tradition. Oh. Bien-aimé, que vous avez établi. À l'époque, il y a un ministre qui disait un pied dedans, un pied dehors, c'est. Je crois que c'était Fologo, non? Ou bien c'était Bala Keïta. Un pied dedans, un pied dehors, c'est. Mais évidemment, en tant que chrétien, je ne peux pas espérer dans le salut promis par Christ. Et puis, quand les moments sont difficiles, quand la persécution arrive à un pic où c'est sévère, je porte mes regards sur les traditions, chez les marabouts, chez les féticheurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Jérémie 10, verset 3. Jérémie 10, verset 3. Jérémie chapitre 10, le verset 3. Amen. Car oui. Les coutumes des peuples oui. Ne sont que vanité. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, je veux aussi te dire quelque chose d'important. Le salut ne peut pas s'obtenir dans une église qui prêche le mariage, la prospérité, la bénédiction matérielle, qui prêche le visa, le voyage. Alléluia. Toute communauté religieuse qui ne prêche pas les fondements de la parole de Dieu, qui ne prêche pas la sainte doctrine dans sa profondeur, ne peut accorder ou ne peut permettre à ses membres d'obtenir le salut éternel. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc si là où tu es, on te parle de mariage. Oh, je vois le mariage sur ta vie. Fais une offrande. Une offrande qui va parler sur l'autel de Dieu. Bâtis un autel de 500 000. Afin que la grâce du mariage te localise. Bien aimé, dans cette communauté, il n'y a pas de salut. Bâtis un autel. Afin que le travail te localise. Bien aimé, dans cette communauté, le salut n'est pas là-bas. Viens avec ton visa, viens avec ton passeport. Avec une somme de 100 000. Viens avec ton passeport. Ce soir à minuit. Prière de 3 jours. Brisez les chaînes. Les chaînes. Comment on peut dire ça? Qui t'empêchent de voyager. Brisez les chaînes de la malédiction qui t'empêchent d'avoir le visa pour le Canada. Et donc, viens avec ton passeport. Avec une somme de 100 000. On va faire 3 jours de prière de combat forte. Bien aimé. L'argent, non seulement cela ne va pas créer à Dieu, mais c'est le pasteur lui-même qui va se le mettre dans les bouches et qui va les bouffer. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Le royaume. Voilà ce qu'il nous dit. Cherchons premièrement quoi? Le royaume. Oui. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Maintenant, tout c'est qu'après, il a fait sa chose. Les choses là. Et toutes ces choses là. Le mariage. Chose, le voyage. Chose, le travail. Chose, la santé. Chose, la paix. Chose, la joie. Chose, la stabilité. Chose, le déménagement. Chose, l'embonpoint. Chose, vous seront donnés par-dessus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Acte 4, verset 11 à 12. Acte chapitre 4, verset 11 à 12. Oui. Je suis verset 5. Excusez-moi. Jésus, oui, est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Alléluia. Et qui est devenue la principale de l'angle. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Et il n'y a de salut en aucun autre. Donc le salut ne peut pas se retrouver en Marie. Ah. Non. Le salut ne peut pas se retrouver en Allah. Il n'y a point de salut en Bayeré. Il n'y a point de salut en Bouddha. Alléluia. Il n'y a point de salut dans les vêtements impudiques. Il n'y a point de salut dans les chapelets. Il n'y a point de salut dans les ablutions. Il n'y a point de salut dans les prières qu'on fait 5 fois par jour. Non. Il n'y a point de salut dans les ambetons, dans le vaudou, dans les baïrés et dans tous les génies des eaux sacrées, des forêts sacrées qu'on connaît. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Oui. Car, oui, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, nous sommes au verset 18. Oui. Je commence au verset 17. D'accord, titule. Quand je le vis, oui, je tombais à ses pieds, oui, comme mort. Il posa sur moi sa main droite, oui, en disant, ne crains point.
Je suis le premier. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Je suis le premier. Dis, je suis le premier. Et le dernier. Et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Ah. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien aimé, la statue de Marie ne détient pas les clés de la mort, ni les clés du séjour des morts. Alléluia. Amen. Allah ne détient pas les clés de la mort, ni du séjour des morts. Alléluia. Kakou Philippe ne détient pas les clés de la mort, ni les clés du séjour des morts. William Marion Branham ne détient pas les clés de la mort, ni les clés du séjour des morts. Gloire à Jésus. Gédéon de la Tchétchouva, lui non plus, ne détient pas les clés de la mort, ni les clés du séjour des morts. Alléluia. Bien aimé, l'attribut sauveur est dédié à qui? Qui apporte le salut? Jésus. 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 Dans toute l'humanité. Qui apporte le salut? Jésus. Dans cette nation. Qui apporte le salut? Jésus. Dans toute l'Afrique. Qui apporte le salut? Jésus. Dans toute l'Europe. Qui apporte le salut? Jésus. Dans toute l'Asie. Qui apporte le salut? Jésus. Dans toute l'Océanie. Qui apporte le salut? Jésus. En Arabie. Qui apporte le salut? Jésus. Dans le monde entier. Qui apporte le salut? Jésus. Dans tout l'univers. Qui apporte le salut? Jésus. 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 Acclame fortement pour le roi des rois. Dans la présence du Seigneur Jésus. Bien aimé, comment obtient-on le salut? Tout à l'heure, tout le monde a dit qu'il a le salut. On va se poser la question, comment on obtient le salut? Si toute l'assemblée a eu le salut, a reçu le salut, comment l'obtient-on? Acte 5, verset 32. Acte chapitre 5, nous sommes au verset 32. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de ces choses. Oui. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir son salut. C'est vrai, c'est une grâce. Mais pour l'obtenir, la condition, c'est l'obéissance à ses commandements. Si je vis une vie débridée, si je vis dans la débauche, si j'ai un cas, j'ai une go, si je vis dans la fraude, dans le mensonge, je ne peux pas obtenir le salut de Christ. Alléluia. Si je vis dans la souillure, dans l'impudicité, si je vis dans le mensonge, si je n'ai pas de l'amour pour mon frère, si je n'ai pas de l'amour pour mon fils, si je n'ai pas de l'amour pour ma soeur, je ne peux pas obtenir le salut. Tite chapitre 2, verset 11. Alléluia. Car la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu. Source de salut. Source de salut. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. A été manifestée. A été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? À renoncer. À renoncer. À l'impiété. À l'impiété. Et au convoitisme mondain. Et au convoitisme mondain. Et à vivre. Oui. Dans le siècle présent. Selon la sagesse. La justice. Alléluia. Et la piété. Amen. Je veux que tu reviennes sur un mot, au convoitise. Ah. Elle nous enseigne. Voilà comment on obtient le salut. À renoncer. À renoncer. Au convoitise. Au convoitise. Mondaine. Amen. Pause là. Est-ce que je peux passer à vous de Dieu? Amen. Il est très important de souligner ceci. On ne peut obtenir le salut qu'en obéissant strictement à la parole de Dieu. Mais qui aime le Seigneur Jésus? Qui reconnaît que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Je peux avoir le serviteur de Dieu. Amenez-le moi, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut me l'amener, s'il vous plaît? Ça va, mon fils? Comment il s'appelle? Il marche. La première vient. Voici notre fils miracle. Viens, mon ami. Voici notre fils miracle. Il a quel âge? 2 ans. Il a 2 ans. D'accord. Tu sais qu'il a appelé la servir l'Éternel? Tu sais que c'est un puissant serviteur de Dieu qui va venir. Alléluia. Bien-aimé, voici mon fils miracle. C'est mon premier fils. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toutes mes forces. Je ne respire que par lui. Je ne vis que par lui. Admettons qu'un matin, miracle rentre à la maison.
Il est tombé dans un caniveau. Et il est rempli d'excréments. Et miracle que mon fils chéri, mon premier fils, veut m'embrasser. Quoi que je l'aime tendrement, quelle sera ma réaction? Quelle sera ma réaction? Est-ce que, en tant que son père, en tant que mon premier fils chéri, mon premier fils bien-aimé, je mets la capacité de le prendre à mes bras, tout en sachant que miracle est tombé dans un caniveau et qu'il est rempli d'excréments? Est-ce que je serai capable de le faire malgré tout l'amour que je porte pour lui? Alléluia. Est-ce que je serai capable de prendre miracle dans mes bras? Amen. Alléluia. Évidemment, en tant qu'enfant de Dieu, tant que nous sommes assujettis au convoitisme mondain, l'Éternel ne pourra pas nous accorder son salut. Amen. J'espère que tu aimes la vérité. Amen. Je ne suis pas venu te dire que tu vas te marier. Je suis venu te dire que le Seigneur t'accorde le salut aujourd'hui. Il est venu en ce lieu pour te montrer le chemin du ciel. Est-ce que tu veux le chemin du ciel? Si tu veux le chemin du ciel, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous met en garde contre les convoitises mondaines. Et il nous dit ceci: si nous sommes attachés aux convoitises mondaines, lui ne peut pas nous accorder le salut. Maman, est-ce que c'est faux? Convoitise mondaine. Dis à quelqu'un, convoitise mondaine là, c'est quoi? Homme de Dieu, tu sais c'est quoi les convoitises mondaines? Tu sais c'est quoi les convoitises mondaines? Allons-y. Il y a l'impudicité. Il y a l'impudicité, d'accord. Il y a l'argent. Il y a l'argent, d'accord. L'orgueil. Il y a l'orgueil. D'accord. D'accord, prenons compte. J'ai une petite idée. Les convoitises mondaines. La jalousie. La jalousie. Ah, bon. Bon, les convoitises mondaines, homme de Dieu. Les quoi? Le meurtre. Quoi d'autre? Le vol. Le vol. Non, tout ça, ce n'est pas les convoitises mondaines. Moi, on vous compte. Convoitises mondaines. Convoitises mondaines, c'est aimer les choses du monde. Il dit, les convoitises mondaines, c'est aimer les choses du monde. Acclame le Seigneur Jésus. 1 Jean 2:15. Oui. N'aimez pas le monde. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Ni les choses qui sont dans le monde. Le Seigneur Jésus dit, si vous voulez obtenir le salut et avoir la vie éternelle, n'aimez point les choses du monde, ni... N'aimez pas les choses du monde, ni les choses qui sont dans le monde. Maintenant, c'est quoi les choses qui sont dans le monde que Jésus n'aime pas, par lesquelles tu ne peux pas avoir la... le salut éternel? Oui. Tout ce qui est dans le monde, je car sais, c'est... tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Mais il pose là. On parle de salut. Jésus dit, si vous voulez obtenir le salut, vous devez vous débarrasser de la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, là, c'est quoi? Oui, homme de Dieu. La convoitise de la chair, c'est les femmes, la luxure, la boisson. Ça vient, ça vient, ça vient. Oui, quelqu'un. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Le Seigneur dit, si vous voulez obtenir le salut, vous devez vous débarrasser de la convoitise de la chair. C'est quoi que la chair convoite? C'est quoi que la chair aime qui est liée au monde, qui peut nous empêcher de ne pas obtenir le salut? La gloire. La gloire du monde. D'accord, tu n'es pas loin. Mais c'est quoi la gloire du monde? L'argent. Non, c'est pas ça. La convoitise de la chair. On parle de la chair. On n'a même pas encore parlé de l'esprit ni du cœur. On parle de la chair. Envieux. C'est bien ma fille. Je suis le chemin. Mais il y a encore du chemin. Oui, être envieux, oui, c'est nom de Dieu. Non, la chambre de l'Éternel. On fait prédication dans prédication. Toi aussi, tu vas prêcher ce message-là tout à l'heure. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai demandé d'être disposé. Hein, c'est important. Oui, aimer le monde, oui, ça, tout le monde sait. Mais est-ce qu'on peut avoir des détails? Est-ce qu'on peut avoir des détails? Quand le Seigneur parle de convoitise mondaine, si réellement notre but c'est le ciel, le Seigneur nous dit de nous débarrasser des convoitises mondaines. Il parle même des convoitises, il s'adresse même à la chair. Qu'est-ce que la chair, la viande, le poulot, la haine, qui est contraire à la volonté de Dieu et qui peut ne pas nous donner le salut? Pardon? Quelqu'un a dit quelque chose? Oui. Attends, le Seigneur Jésus pour ça. Alors, on va lui donner le micro et puis on va le répéter. Parce que nous, maman, dans le fond, on n'a pas entendu. Convoitise de la chair qui fait que tu es rempli d'orgueil et que le Saint-Esprit ne peut pas te prendre dans ses bras et te donner le salut éternel. Elle a donné un détail, oui. On a les perruques,
Elle dit, on a les perruques. Et puis regarde, il y a virgule. Elle dit, on a les perruques. Tu vas la tirer sur Luc là. Donc il y a encore les perruques. Les maquillages. Qui a mis perruque ce matin ici? Qui a porté perruque ce matin? Convoitise de la chair. Convoitise mondaine. Vous avez dit que vous aimez le Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous amène ici pour vous montrer le chemin du ciel. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit, dites à mes enfants que je fais venir Moïse et Aaron pour les faire sortir de la captivité. Et pour leur montrer le chemin du ciel. Trop longtemps t'as dit tu vas voyager, c'est jamais arrivé. Trop longtemps t'as dit tu vas te marier, c'est pas encore arrivé. Trop longtemps t'as dit tu auras le visa, c'est pas encore arrivé. Mais nous, ce matin, le Seigneur nous donne de te donner le visa pour le ciel. Lui, il arrive à l'instant même, si tu es d'accord. Alléluia. Les convoitises de la chair. On a les chaînes aussi. Elle a dit on a les chaînes aussi. Oh Jésus. Qui ce matin a mis les chaînes? C'est la condition pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur nous aime, mais le Seigneur n'aime pas le péché. Et la plus grande maladie que nous, enfants de Dieu, nous avons, c'est l'ignorance. On sert Dieu, on ne le sert, on le sert mal. On ne le sert pas comme les prophètes et les apôtres ont servi. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus te donne l'occasion de le servir en esprit, en vérité. Il a dit en Jean 4, verset 23 et 4, que le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père recherche. Trop longtemps qu'il adorait Dieu dans la fausseté. Maintenant, l'Éternel veut que tu l'adores dans la vérité. Hein, les perruques, les chaînes, oui. Ouais, l'homme de Dieu, oui, il a amené la tablette, on a du travail. Les rouges à lèvres, convoitise de la chair. Elle dit, les rouges à lèvres, elle est dans la révélation. Alléluia, continue ma vie. Mais ta main, tu as mis ça. Tu as tatoué ça. Tu as tatoué. Ma fille, tu dis la vérité et puis tu mens. Tu es reparti. Tu m'aimes plus. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Je veux que ce soit pareil pour nous tous. Alléluia. Continue ma fille, tu es dans la révélation. Les fossiles. Les fossiles. Ça paraît être anodin, mais tout à l'heure, quand on va rentrer dans la prière, tous les démons qui sont cachés derrière tout ce qu'elle est en train de citer et que je vais citer, vous allez voir, ils vont commencer à crier ici, ils vont commencer à vous menacer, ils vont commencer à rendre vos bénédictions, ils vont commencer à rendre vos étoiles, ils vont fuir de ce Dieu, ils vont dire, mais pourquoi vous êtes venus ici? Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de dangers derrière ces choses-là. Et pendant qu'on va les citer, je souhaiterais que, par respect pour Dieu, que tu commences par les enlever. Et que tu restes tel que Dieu t'a créé. Comme la charmante princesse ici. Comme le petit Israël. Miracle. Comme la servante de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on soit naturel. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit artificiel. Amen. C'est pourquoi il parlait de convoitise charnelle. Continue, Seigneur de Dieu. Les pommades aussi. Les pommades, les produits cosmétiques. Alléluia. La dépigmentation. Il y a du travail, tu ne peux même pas bouger. Alléluia. La dépigmentation. En tant qu'enfant de Dieu, si tu te dépigmentes la peau, tu contestes le Seigneur. Qui peut contester Dieu? Si le Seigneur t'a donné un teint noir, garde-le, c'est dans son plan. Si t'as donné un teint clair, garde-le, c'est dans son plan. Si t'as donné un teint marron, garde-le, c'est dans son plan. Cache tes jambes. Alléluia. Amen. Regardez, le diable veut que vous vous rébellez contre Dieu en faisant tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans vos vies, quoi que vous allez à l'église, il y a encore des maris de nuit dans vos vies. Il y a encore des femmes de nuit dans vos vies. Il y a l'esprit de mort dans vos vies. Tu chantes à l'église, tu payes ta dîme, tu fais tout. Mais il y a des démons qui viennent voler tes grâces. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu détiens qui ne sont pas à Dieu, mais qui sont au monde des ténèbres. Et tant que tu as ça, tu ne pourras jamais obtenir le salut. Oh, le Seigneur veut te sauver. Je parle à quelqu'un ce matin. Les images, vous connaissez le travail. Alléluia, ma fille continue s'il te plaît. On parle ici de la convoitise de la chair. Raison pour laquelle tu ne peux pas obtenir le salut. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui la trompette sonne, je te dis la vérité, si aujourd'hui la trompette sonne, malgré que tu as l'église, malgré que tu payes tes dîmes, malgré que tu soutiens l'œuvre, malgré que tu chantes dans le groupe de chants, malgré que tu es diaconesse, malgré que tu es prophétesse, malgré que tu intercèdes, tu ne pourras pas le ciel. Parce qu'Apocalypse 21, verset 27 dit qu'aucune chose impure n'héritera du royaume des cieux.
Et l'esprit qui se cache derrière ces choses, c'est l'esprit de Jézabel, qu'on appelle l'esprit de Manuwata. C'est pourquoi vous avez ces choses sur vous. Il y a encore la masturbation. L'homme vient et puis il ne reste pas. Il te promet le mariage. Il couche avec toi et s'en va. Parce que ces choses ne le retiennent pas. Et c'est ce qui provoque la colère dans le cœur de plusieurs. Comment Dieu qui est saint peut-il accorder le salut à ses enfants s'ils ne le connaissent pas? Comment Dieu qui est le Dieu de la sainteté, comment Dieu qui est infiniment saint peut-il accorder le salut à ses enfants si ses enfants ne connaissent pas le chemin pour le ciel? Comment Dieu peut-il accorder le salut à ses enfants si ses enfants ne savent pas comment l'adorer? Oh Christ, ce chef de véritables adorateurs. Exode chapitre 21, verset 1 à 6. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 21, verset 1. Dis à quelqu'un, quelque chose va se passer. Ma libération, c'est pour aujourd'hui. Mon salut, c'est pour aujourd'hui. Ma libération, c'est pour aujourd'hui. Mon indépendance, c'est pour aujourd'hui. Je t'en prie, pendant qu'on cite ces choses, commence par te débarrasser de cela. Et puis on va prier. Tout à l'heure, quand on va rentrer dans la prière, vous allez voir. Tous ces esprits vont tomber un par un. Ils vont sortir de vos vies. Et je ne vous donne pas un mois. Plusieurs d'entre vous vont commencer à expérimenter la véritable vie chrétienne. Alléluia. Parmi vous, il y a des prophétesses. Parmi vous, il y a des intercesseuses. Parmi vous, il y en a qui ne sont pas dans le groupe de chant, mais à qui Dieu a donné un puissant dans le chant. Parmi vous, il y en a qui Dieu a donné le don de la libéralité. Mais vous ne pouvez pas voir ces choses dans vos vies tant que vous êtes sous le joug de Pharaon. Tant que vous avez encore des dieux étrangers sur vous. Et c'est ça la convoitise mondaine. Et sans ça, vous ne pourrez pas avoir le salut. Oh, l'Éternel veut sauver son peuple. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vas-y, Père, continue. Exode chapitre 21. Oui. Le danger derrière les boucles d'oreilles. Oui, le danger derrière les boucles d'oreilles. Voici les lois que tu leur présenteras. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave. Si tu achètes un esclave. Hébreu. Il servira 6 années. Oui. Mais la 7e. Oui. Il sortira libre. Sans rien payer. Oui. S'il est entré seul. S'il est entré seul. Il sortira seul. Il sortira seul. S'il avait une femme. S'il avait une femme. Sa femme sortira avec lui. Oui. Si c'est son maître. Oui. Qui lui a donné une femme. Qu'il en ait eu des fils ou des filles. La femme et ses enfants sortiront. Seront à son maître. Et il sortira seul. Maintenant, écoutons bien. Si l'esclave dit. J'aime mon maître. Oui. Ma femme et mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. C'est-à-dire, je vais demeurer esclave à jamais et pour toujours. Écoutez bien. Alors, quel est le signe par lequel on va reconnaître qu'il est esclave? Écoutez bien le. Alors, oui. Son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Oui. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Question. Tu es l'esclave de qui ce matin? On va garder les boucles d'oreilles. Tu es l'esclave de qui? Toi qui es enfant de Dieu qui as encore les boucles d'oreilles. Tu es l'esclave de qui? Je veux qu'on fasse une expérience ce matin. Toutes les femmes de l'église qui ont mis des boucles d'oreilles, enlevez vos boucles d'oreilles. Enlevez-les. Enlevez-les. Et prenez la main. Prenez la main. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît. Attends. Prenez la main. Enlevez toutes vos boucles d'oreilles. Attrape le micro, s'il te plaît. Et puis, prenez le doigt. Appuyez le lobe de l'oreille. Appuyez fortement, comme quand on appuie un puits pour le casser. Et puis sentez l'odeur. Et dites-moi, ça sent quoi? Enlevez toutes vos boucles d'oreilles. Et puis appuyez fortement le lobe là. Toi qui t'es percé l'oreille. Et puis sens l'odeur. Ne te gêne pas. Dis-moi, ça sent quoi, ma fille? Ça sent quoi? Elle dit, ça sent mauvais. Mais elle, non. Tu es vivante. Mais ça, l'odeur là. Ça sent quoi? Ah! Quelqu'un a dit ça sent quoi? J'ai pas entendu. Quelqu'un a donné le mot. Non, je ne veux pas que ce soit les anciennes. Ça sent quoi? Sentez, sentez. Ça sent quoi? Oui, ma fille. Ça sent quoi? La mort. Tu as entendu? Quoi que vous êtes vivante, quoi que vous êtes vivante, une partie de vous est déjà morte. Pourquoi? Parce que vous avez mis à vos oreilles le son de l'esclavagisme. Amen. Alléluia. La pièce là, donnez-moi une boucle. Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Parle fort. Boucle d'oreille. Ça s'appelle boucle d'oreille. Mais naturellement, en tant que chrétienne,
vous avez bouclé quoi? En mettant ça, vous avez bouclé quoi? Mais c'est pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la voix du Seigneur Jésus. C'est pourquoi plusieurs parmi vous, vous priez, mais vous n'entendez jamais le Seigneur. Or, naturellement, le Saint-Esprit accorde la grâce à chacun de ses enfants de l'entendre et de témoigner de lui. En principe, chaque enfant de Dieu doit avoir un témoignage vivant avec le Saint-Esprit. Mais si le témoignage n'est pas, c'est parce que vous vous êtes bouclé les oreilles. Et spirituellement, c'est l'âme qui est bouclée. Donnez-moi une chaîne ce matin. Donnez-moi une chaîne, je vous en prie. Comment pouvez-vous obtenir le salut? Je n'en ai pas ces choses, la princesse. Je n'en ai pas ces choses. On va prier pour toi. Il y a un esprit, un méchant esprit qui est derrière toi. Un méchant mari de lui qui est derrière toi. Il veut détruire ta vie. Regarde ce qu'il a prévu. Toi, tu auras au moins 4 enfants. Selon sa méchanceté, de ta tête différente. Il veut te pousser dans la prostitution. Voilà le plan du diable pour toi. Il veut te livrer à la vindicte. Te pousser à te débaucher. Viens, moment, il va te lancer une maladie. Mais je déclare que cela n'arrive pas. Non, Jésus. Donnez-moi une chaîne. Donnez-moi une chaîne. Donnez-moi une chaîne, s'il vous plaît. On va vous la vendre. Quelle est chaîne, chaîne. Je vous en prie, donnez-moi la chaîne. Au sortir d'ici, ne les portez plus. Tant que vous les avez, le monde des ténèbres aura raison de vous et viendra voler toutes vos bénédictions. Je vous dis la vérité. Regardez, qui a été déjà catholique ici? Qui a été catholique ici? La statue de Marie, vous avez déjà vu des boucles d'oreilles à ses oreilles? Des chaînes à ses oreilles? Vous l'avez déjà vu en pantalon? En maquillage? Vous l'avez déjà vu avec des faux cheveux? Pourquoi? Parce que maman Marie, elle est le symbole de la femme vertueuse. Or, le Seigneur veut que tout le monde soit à l'image de maman Marie. Les vrais chrétiens, c'est comme ça qu'elle se présente. Avec le voile. On peut vous donner le voile, s'il vous plaît. Alléluia. Regardez. Ça, je ne veux pas que les femmes viennent bien voir ici. Ça, les bien-aimés. Comment ça s'appelle ça? C'est que je tiens dans ma chaîne. Comment ça s'appelle? Quel est le verbe de ce mot? Quel est le verbe de ce mot? Enchaîne. Ce matin, si on a dit aux anciens de ne pas parler, c'est pas aux anciens de l'enchaîne. C'est eux que le Seigneur veut sauver. C'est elle, c'est l'église de maman, l'église du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quel est le verbe? Quel est le verbe de ce que j'ai dans ma main? Toi qui allais un peu à l'école, on appelle ça comment? On appelle ça enchaîner. Je te repose la même question ce matin. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu enchaînes? Toi qui désires être sauvé par le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu enchaînes? Qui peut me dire ce qu'il enchaîna en mettant des chaînes à son cou, à son poignet, à sa cheville, ou même à sa hanche? Qu'est-ce que tu enchaînes spirituellement? Oui, ma fille. Tu enchaînes que le Seigneur te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Elle dit, en mettant ces choses sur soi, tu enchaînes ta vie. Moi, je vais aller plus loin. C'est votre âme qui est enchaînée. C'est pourquoi, tant que vous portez ces choses, remarquez, pour prier, c'est difficile. Pour jeûner, c'est difficile. Même vous-même, pour répéter en vous, c'est difficile. Parce que ces choses sont comme des boulets de canon. Vous ne pouvez pas avancer spirituellement. Et le diable les a créés pour vous empêcher d'être spirituel. Et pour veiller à ce que vous soyez charnel. Toutes ces choses vous mettent spirituellement en état. Et c'est pourquoi, malgré que la bénédiction est là, elle ne peut pas vous toucher. Et vous allez d'échec en échec, de limitation en limitation, de retard en retard, de repos en repos. Certains d'entre vous-même, dans le rêve, voient des morts, voient leurs parents morts, se retrouvent dans des cimetières, d'autres se retrouvent dans des forêts, dans des eaux. Oh, tu dis que tu es chrétien et tu vas à l'église. Oh, naturellement, en tant que chrétien, ce que tu dois voir dans tes songes, tu dois te voir en train d'évangéliser, tu dois te voir en train d'annoncer l'évangile, tu dois te voir en train de prier pour les malades, tu dois te voir en train de financer l'œuvre, tu dois te voir en train d'intercéder pour l'avancement de l'œuvre. Mais vous, à cause de ces dieux étrangers, à cause de ces choses, tous les rêves que vous faites sont des cauchemars. Rien de bon ne va. Lorsque le Seigneur voit l'homme pour te demander la main, 2 jours après, il disparaît après avoir couché avec toi. Il te fait un enfant, un autre dieu, il te fait la même promesse, il te fait un enfant, il disparaît. Parce que le monde est ténèbres, il utilise ça contre vous. Je prie Dieu qu'aujourd'hui on rencontre un sorcier ici. Écoutez-moi très bien. Je prie le Seigneur qu'on rencontre un sorcier ici. Il vous dira, lorsque vous mettez ces choses, les faux signes, les faux ongles, vous qui êtes les femmes, lorsque vous portez des pantalons, des cyclistes, des vêtements sexy, lorsque vous vous décapez la peau, n'importe quel sorcier du quartier peut vous faire du mal. Parce que ces choses appartiennent à leur prêtresse, Mami Wata, qu'on appelle dans les Saintes Écritures, selon 2 Rois 9, verset 30, Jézabel. Genèse 37.
à partir encore du verset 1 à 6. Dieu dit à Jacob. Lève-toi. Amen. Monte à Bethel. Oui. Et demeure-y. Amen. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuis Esaü ton frère. Oui. Écoutons maintenant ce que Jacob dit. Regardez ce que le Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de maison. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Oui. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Alléluia. Dans le jour de la détresse. Amen. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Il, au pluriel, donnait à Jacob. Ils ont donné à leur père Jacob tous les dieux étrangers qui étaient en leur main, qui étaient bracelets, chaînes aux pieds, alliance, bagues. Ils ont tout donné à leur papa. Et les anneaux. Qui étaient à leurs oreilles. Regardez les boucles. Ils ont tous. L'Éternel a dit qu'ils ne supportent pas ça. Il donnait à Jacob. Il donnait à Jacob. Tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Tous les bijoux qu'ils avaient dans leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Jacob les enfouit. Oui. Sous le térébet. Amen. Qui est près de Sichem. Amen. Exode 33. Non, c'est pas fini. Lis le 5 ou le 6. Le 5 ou le 6. Regarde, quand ils ont levé toutes ces choses-là. Ensuite. Quand ils ont levé tous ces dieux étrangers. Ensuite. Et ces vêtements impudiques. Ensuite. Regardez ce qui s'est passé. Ils pâtissent. La terreur de Dieu se répandit. Regardez ce qu'il est dit. La terreur de Dieu se répandit. Sur les villes. Amen. Qui les entouraient. Aujourd'hui, dis à quelqu'un, j'aurai le salut. J'aurai le salut. Tu sais pourquoi tu auras le salut? Parce que maintenant, tu es en train d'obéir à la voix de l'Éternel. Homme de Dieu, je souhaiterais que maman Daniel, que maintenant ce soit un principe ici, que tous les enfants de Dieu qui viennent, qu'ils soient dépouillés conformément à la parole de Dieu. Ça va les aider à croître dans la foi, à découvrir d'expériences extraordinaires avec le Seigneur, aussi à rentrer dans leur grâce. Parce que tant que vous avez ces choses, vous êtes sous le joug de faire le pharaon, de Jézabel et de plein d'autres esprits. Alléluia. Et comme il est dit ici dans le livre d'Exode 30, dans le livre d'Exode 35 au verset 5, il est dit que lorsque la famille de Jacob s'est dépouillée de ses dieux étrangers, il est dit que la terreur s'est emparée de toutes les villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, ils ont commencé à faire peur aux villes environnantes. Maintenant que vous êtes à l'image de Dieu, vous allez voir, les sorciers vont avoir peur de vous. Les démons auront peur de vous. Si avant tu faisais des songes dans lesquels on te poursuivait, tu verras maintenant que tu as l'image de Dieu. C'est toi maintenant qui vas les poursuivre. On termine. Et l'on ne poursuivit point le fils de Jacob. On n'a pas dit que l'on ne poursuivit pas. On dit l'on ne poursuivit point. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Or si jusqu'à présent ils arrivent à avoir victoire sur toi, c'est à cause de toutes ces choses que tu mettais sur toi. Alléluia. Exode 33. Amen. Verset 1 aussi à 6. L'Éternel dit à Moïse. Oui. Va. Pars d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Écoute très bien. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant. Oui. Je le donnerai à ta postérité. Je le donnerai à ta postérité. Alors, écoutons ce que l'Éternel dit. Oui. J'enverrai devant toi un ange. Mm-hmm. Et je chasserai les Cananéens, oui. Les Amoréens, oui. Les Hétiens, oui. Les Phéréciens, oui. Les Séviens, oui. Les Jébusiens. Oui. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Oui. Mais je ne monterai point au milieu de toi. L'Éternel dit qu'il n'ira pas avec Israël. Pourquoi l'Éternel, après avoir fait sortir Israël de l'Égypte, après 430 ans d'esclavagisme, va leur dire, pendant qu'ils étaient en train de cheminer pour aller à Canaan, qu'il ne va pas aller avec eux. Regardez. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. Le Seigneur dit, je ne monterai pas au milieu de toi. De peur, oui, que je ne te consume en chemin. Amen. Car tu es un peuple au cou roide. Vous entendez? Le Seigneur dit, s'il devait descendre avec tous les dieux étrangers que vous aviez, s'il devait descendre ici, vous alliez tous mourir. Et comme l'Éternel ne veut pas que maman Daniel ait votre mort sur la conscience, il vous rappelle que vous devez revenir à votre premier amour. Quel est votre premier amour? Lorsque vous étiez né, vous étiez belle, sans dieu étranger, sans artifice, sans make-up, sans phare, sans faux cils, sans faux ongles, sans faux teint, sans faux. De la tête jusqu'aux pieds. Or, Jésus est le Dieu de la vérité. Ah. Or, vous-même, vous savez pertinemment qu'aucun d'entre vous ne veut d'un homme faux ou d'une femme fausse dans sa vie. Mais si vous, enfant de Dieu, vous ne voulez pas d'homme faux ou de femme fausse, qui vous dit que Dieu
fait de la fausseté dans son royaume. Il dit les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je vais mettre un doigt sur le point avant de continuer. Jérémie 17. Jérémie 17. Non, Jérémie 13, verset 23. Excusez-moi. Amen. Tout à l'heure, la chambre de l'Éternel parlait de la dépigmentation. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se dépigmentent la peau. Tout à l'heure, notre fille était en train de parler du tchatcho. Elle disait les tchats. Elle dit les tchatcho. Effectivement, toi qui te tchats, le Saint-Esprit ne passe pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu te tchats, tu vas attirer plusieurs esprits dans ta vie. Le premier esprit que tu vas attirer, c'est l'esprit de nudité. Vous allez constater vous-même, lorsque tu commences par te tchatcho, tu n'as plus envie de porter de longues robes. Non. Tu n'as plus envie de couvrir ton corps. Tu veux t'habiller en te déshabillant. On doit voir tes cuisses. On doit voir ta poitrine. On doit voir ton dos. On doit voir tes fesses. On doit voir tes mollets. On doit voir ton tchatcho, quoi. On doit voir. Oh, si tu portes des longues robes, comme les chrétiens, on ne va pas les voir. Premier esprit qui t'anime, l'esprit de nudité. Or, derrière l'esprit de nudité se cache un autre esprit, l'esprit de la séduction. Matthieu 5, verset 23. Prends Matthieu 5, verset 27 à 28. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Alléluia. Vous avez appris. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, vous avez appris. Qu'il a été dit. Qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi. Je vous dis. Je vous dis. Que quiconque. Regarde une femme. Oh, mais comment ça, il faut regarder la femme là. Pour la convoiter. Uh-huh. A déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le Seigneur Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle. Ça veut dire quoi? Puisque tu t'es tchatcho. Et que maintenant tu t'habilles de façon impudique. Tous ceux qui disent, ma chérie, hein, elle est inventée, hein, elle est sourde en carton, hein, elle est mamou, hein. Ce que tu ne sais pas, Dieu dit, toi, en te déshabillant, en ne te présentant pas comme sa parole, tu as commis l'adultère avec eux. Ils ne sont pas les seuls qui sont tombés dans l'adultère, mais lui aussi qui t'a complimenté, qui t'a régalé, qui t'a sifflé. Ça, c'est les codes d'Abidjan, quoi. Vous avez péché. Toi, en te dépigmentant, en exhibant ton corps, tu as péché avec la personne qui t'a convoité. Alléluia. Oui. Jérémie 13, verset 23, verset. Jérémie chapitre 13, verset 23. Et un autre esprit se cache derrière la dépigmentation. L'esprit de masturbation. Je l'ai dit. L'esprit de masturbation. Lorsque vous prenez ces produits qui viennent de l'enfer et que vous les mettez sur vous, un esprit va commencer à vous démanger, à vous ronger votre âme. C'est l'esprit d'Aoko. L'esprit de la masturbation. Toutes celles qui se dépigmentent la peau, vous me diront, homme de Dieu, c'est vrai. Oui, je suis à l'église, mais j'ai un fort esprit de masturbation qui agit dans ma vie. Parce que tu as mis des asticots sur toi. Parce que tu as mis l'esprit de l'impudicité sur toi. Et quand tu le mets, la Bible dit en Jean 10:10, que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Donc lorsque tu mets ces choses sur toi, pas que tu es au service de l'église, mais malheureusement ta vie n'est pas conforme avec la parole de Dieu. Et donc la démangeaison de la masturbation, de la pornographie, est dans ta vie malheureusement. J'ai dit tout à l'heure, le Saint-Esprit va faire descendre son salut ici. Qui veut de son salut? 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 Alléluia, Jérémie 13, verset 23, verset 5. Un Éthiopien. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole sur la dépigmentation. Un Éthiopien. On peut remplacer un Éthiopien par qui? Un homme noir. Et par qui encore? Un Ivoirien. Par une femme noire. Par une femme noire. C'est elle qui aime bien ça. Voilà. Une femme noire. Une femme noire. Oui. Peut-elle changer sa peau? Regardez ce que le Seigneur te demande. Est-ce qu'une femme noire peut-elle changer sa peau? Un léopard. Hein? C'est pas chien, j'ai déjà vu le léopard. C'est le félin le plus vilain de tous les félins. Il fait partie de la race des lions. Vilain comme ça. Mais on n'a jamais vu le léopard au grand marché de Coco Vico, dans un magasin de produits cosmétiques. Et puis venir faire waouh. Donnez-moi mes cacors. Je vais enlever mes taches. On n'a jamais vu le léopard rentrer au marché de Coco Vico. Dans un magasin de vente de produits cosmétiques, venir faire waouh, donnez-moi âge et cadre, je vais enlever mes tâches. Lui, c'est un animal. Or, nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Selon Genèse 2, verset 29. Selon Genèse 1, verset 29. Et nous qui sommes faits à la ressemblance de Dieu, on n'est pas content de l'image de Dieu. Non, on va aller changer ça.
Non, Dieu, tu m'as mal fait. Oh, la Bible dit en Genèse 9, verset 31, que l'Éternel vit que tout ce qu'il a créé était bon à voir. On n'est pas satisfait de ce que le Seigneur nous a donné. Et puis on va dans le monde. On va convoiter le monde. On va convoiter les cheveux du monde. On va convoiter le teint du monde. On va convoiter les sourcils du monde. On va convoiter les cils du monde. On va convoiter les vêtements du monde. Et puis, on veut être sauvé. Et puis, on veut être béni. Tout à l'heure, on a fait l'exemple avec miracle. Miracle à mon fils. Il tombe dans... Alléluia. Jésus. Jésus. Miracle à mon fils. Les piles sont probablement finies. Alléluia. Miracle à mon fils. Protège d'elle. Si miracle tombe dans l'eau de caca, est-ce que moi, son père, je vais le prendre dans mes bras? Bien-aimés, ce matin, beaucoup d'entre vous sont tombés dans l'eau de caca. Beaucoup d'entre vous, par le péché, par l'ignorance, sont tombés dans l'eau de caca. Oui, je vais le dire comme ça, pour que ce soit plus clair pour chacun de vous. Or, tant que tu es dans cette eau de caca, le Saint-Esprit ne peut même pas t'écouter. Il ne peut pas. Il ne peut même pas écouter tes prières. Tes prières ne montent même pas au plafond. Proverbe 28, verset 6, je crois bien, ou 9, dit que celui qui n'écoute pas la loi, même que sa prière est une abomination. Tant que vous n'êtes pas à l'image des femmes vertueuses qui sont dans la Bible, toutes vos prières n'ont pas d'effet. Même si on fait prière de combat, ça ne peut même pas faire toucher une mouche. Feu, feu, feu. Et puis les maris de nuit, les esprits qui sont les leaders, feu, 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 feu. Je vous dis la vérité, enfant de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi en train d'entrée de jeu, on a dit que le Seigneur fasse venir Moïse et Aaron afin de nous édifier. Moïse et Aaron, c'est non seulement la parole de Dieu, mais c'est aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui, c'est le chemin. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin qui donne le salut. C'est le chemin qui accorde la vie éternelle. Après, vous aurez le temps d'enlever les perles et les faux cheveux. Alléluia. 1 Timothée 2, verset 9. Alléluia. Bien-aimé, on parle du salut sur la terre. Bien-aimé, Jésus a donné sa vie à la croix pour le salut de ton âme. Que tu pètes, que tu paies, a donné pour lui. Jésus a versé son sang. Quel est le sacrifice que tu es prêt à consentir pour lui démontrer que tu l'aimes? Lui t'a donné sa vie. Tu ne peux pas te débarrasser de tes faux cheveux pour lui. Or, tu dis que tu l'aimes. Or, tu dis que tu le révèles. Or, tu dis que tu chantes à sa gloire. Or, tu dis que tu le pries. Tu ne peux pas te débarrasser de tes bijoux pour lui. Je vais poser une question à quelqu'un ce matin. Tu es né avec les faux cheveux. Jamais. Tu es né avec les cheveux défrisés. Jamais. Tu es né avec le tchatcho. Jamais. Est-ce que tu es né avec les vêtements sexy? Jamais. Et donc, c'est au prix de ton âme que tu veux garder ces choses. Or, tu sais que ton âme a plus de valeur que tout l'univers, tout ton Jésus. 1 Timothée 2. Alléluia. 1 Timothée 2. On va aussi permettre aux servants de Dieu de l'église, de MDP, de lire aussi les passages, afin d'être édifié par le Saint-Esprit. 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 8 au verset 9. Amen. Ce passage-là, j'aimerais qu'une servante de Dieu le lise, s'il te plaît. Comment obtenir le salut? Ce matin, le Seigneur te fait la grâce de découvrir comment obtenir le salut. Maman Christiane, est-ce qu'on peut donner pagne à la bien-aimée qui a porté la mini-jupe là pour couvrir ses jambes, s'il vous plaît? Amen. Et si on la dévoile, on la dévoile, maman Daniel. Est-ce qu'on la dévoile? D'accord. L'agent de sécurité, les servants de Dieu qui ne sont pas voilés, est-ce que vous pouvez leur donner des voiles? Mais n'oubliez pas, avant de partir, donnez les voiles, s'il vous plaît. Rendez les voiles comme ça à la baignée. On pourra les donner à d'autres bien-aimés qui ne le seront pas. Amen. 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 Celles qui n'ont pas le voile, voilez-les. Amen. C'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre de 1 Corinthiens 11, versets 4 à 17. Amen. Il est important, femme, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, d'avoir le voile. La présence de Dieu, elle est tous les jours. Puisque le Saint-Esprit fait de nous son temple. Amen. Mais le Saint-Esprit ne va pas, il ne vient pas. Il est omniprésent. Amen. Et évidemment, par respect, par crainte, par obéissance. Vous devez toujours vous voiler lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. C'est très important. Une femme qui n'est pas voilée devant le Saint-Esprit est une femme rebelle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'Éternel ne coupe même pas ses prières. Même si elle vit le pire des châtiments, l'Éternel ne le coupe pas parce qu'elle n'est pas la ressemblance de sa parole. Or, l'Éternel veut que nous soyons à sa ressemblance. 1 Timothée 2, verset 9. Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un? Si ça te fait du bien, acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que ce message fait du bien à l'âme de quelqu'un ce matin?
Alléluia. Amen. Oui, allez-y. 1 Timothée 2, verset 8 dit ceci. Amen. Je veux donc qu'en tout lieu les hommes prient. Oui. En levant des mains pures vers le ciel. Amen. Sans colère ni esprit de dispute. Oui. Je désire aussi que les femmes. Je désire. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, je désire aussi que les femmes. S'habillent d'une façon décente. S'habillent d'une façon décente. Avec modestie. C'est quoi la décence? Est-ce qu'on peut me montrer un symbole de décence ici? Est-ce qu'on peut me montrer un symbole? Voilà, viens, viens montrer à tout le monde. Voici le symbole de la décence. Ma fille, en bas là, c'était ça. C'est que tu as mis en bas de robe là. Ah. Attends, alléluia, attends, elle a qu'à s'asseoir. Prends, non, garde, arrête-toi là. Maman, vous allez choisir décence là. Maman, Daniel, viens. Est-ce que ma fille Anne peut s'élever? Maman Péliel peut s'élever? Est-ce que maman Christiane? Maman Ipounon? Voici maman Anne, venez voir. Voici le symbole de la décence. Maman Anne, va te présenter à tes filles là-bas. Maman Ipounon, allez vous présenter là-bas. Voici le symbole de la décence. Voici le symbole parfait de la décence. Maman Daniel n'est pas habillée comme ça par effet de cause. C'est comme ça que le Saint-Esprit veut que toutes les femmes vertueuses, je dis bien vertueuses, s'habillent. C'est l'une des conditions pour avoir le salut éternel. Amenez-vous. Alléluia. Allez. Alléluia. Voici les mamans et les servants de Dieu que vous voyez. Voici comment toutes les tiennes devant le Saint-Esprit doivent s'habiller. Si vous ne vous habillez pas comme ça, si vous mourrez, le plus grand pasteur de Côte d'Ivoire, la table, il fait la plus grande prédication. Votre âme ira au ciel. Et donc la condition, c'est celle-ci. C'est nom de Dieu. C'est nom de Dieu. Intercesseuse. C'est nom de Dieu. Le message est aussi pour toi. Voilà comment tu dois te présenter. Vos collants, vos pantalons, vos cicus, vous devez les brûler. Sous vos robes, le Seigneur veut que vous vous habillez comme le moment avant. Sous vos robes, il y a quoi? Sous les robes là, il y a les jupons. C'est pas cicus. Vous dites non, si tu vois ta rivale, tu as fait palade. C'est pas palade. Le Seigneur dit, vous là, les collants là, c'est pour les hommes. Les cyclistes là, à la base, c'est pour les hommes. Dieu ne les a pas créés pour les femmes. C'est le diable à la télévision qui a poussé les femmes à se révéler et à mettre collant en bas. Et puis dit non, on ne sait jamais si je trouve ma rivale au marché là. Au moins, on ne va pas voir mon slip. Non. Ce que vous devez mettre en bas, ce sont des jupons. Comme le moment avant là, ça se vend 500 au marché. Alléluia. Vous avez vu comment elles sont. C'est l'image de toutes les femmes vertueuses dans la parole de Dieu. À partir de maintenant, commencez à cotiser un peu, achetez votre voix, une petite robe et tout ça. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'ailleurs, tous ceux qui cherchent femmes là, on les appelle comme en bon français. Tous ceux qui cherchent femmes, on les appelle des coureurs de sport. Est-ce qu'on dit coureurs de pantalon? Donc, jupon là, c'est lui pour qui? C'est pour femmes, coureurs de jupon, chercheurs de femmes. Parce que le jupon est dit pour les femmes. Mais les pantalons, les bonnets, les cyclistes, c'est pour les hommes. Amen. Gardez cette éthique-là. Vous allez voir ce que le Seigneur Jésus va faire avec vous. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais qu'elle lise le passage. Et après, que maman Péliel se prépare. Elle va donner un bref témoignage de son vécu. L'enseignement est plus long. Vous allez écouter son témoignage. Moi-même, avant qu'elle donne son témoignage, je vais vous donner moi-même mon propre témoignage. Puisque le Seigneur m'a amené dans le séjour des morts. Et j'ai vu où on fabrique les parfums, les produits cosmétiques, les rouges à lèvres dans le séjour de mort, ce que vous appelez vulgairement l'enfer. Et le Seigneur m'a dit de venir le dire à ses enfants. Alléluia. Allons-y. Et juste après, maman Béguel se prépare. Avec modestie et simplicité. Le Seigneur dit qu'elle doit s'habiller comment? Avec modestie. Quand on dit modestie, là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est modeste. Quand on dit que quelqu'un est modeste, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est simple, il peut même avoir l'argent. Mais quand on le voit, il est simple. Alléluia. Voici la modestie. Amen. Quand des enfants de Dieu sont comme ça, il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Donc, on ne peut pas convoiter l'autre. Amen. Parmi nous là, parmi toutes les mamans qui sont ici, selon vous, qui vient de l'Europe? Qui habitait à Bain, comme on le dit vulgairement? Oui. Laquelle? Celle qui est là. D'accord. Qui d'autre? Je ne vais pas répondre pour l'instant. Qui est quitté en Europe parmi toutes les mamans qui sont là? Non, on veut que vous participez. Vous participez. Qui vient de l'Europe, oui, ma fille? Elle vient de l'Europe. Et elle est métisse. Elle est trop facile. D'accord. Et en dehors d'elle là, qui d'autre vient de l'Europe? Maman Péniel. D'accord.
Et puis parmi les hommes de Dieu là, qui vient de l'Europe? Qui vient de l'Europe? Qui est quitté en Europe? Quand on le voit, il ressemble à un béguiste. Parmi tous les hommes de Dieu à la chair, nous qui sommes là, qui ressemble à un béguiste? Le caméraman. Ah, le caméraman. Ah, on t'a dit ça avant-hier. La policière lui a dit, vous avez des béguistes, donnez l'argent des béguistes. Elle dit non, on n'est pas. Elle dit, vous êtes béguistes, on est quitté au village. Elle dit, c'est faux. Alléluia. Oui, qui d'autre encore? Qui? Qui? Moi-même. L'homme de Dieu. Le béguiste. D'accord, qui d'autre? L'homme en veste. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Quand on vit conformément à la sainteté, si c'était avant dans les églises de la voie large là, les béguistes là, quand ils viennent là, ils sont comment? Par rapport à nous, ils sont comment? Ah! Ça, ma fille, tu connais. Ils sont remplis, ils sont venus voir. Ils sont comment? Ils sont chauds. Et puis là, quand tu viens dans l'assemblée, faut qu'on sache que les béguistes sont arrivés. Allez, ma princesse, viens. Allez, ma princesse. Si ce n'est pas son thème, je peux savoir quelle est l'équipe en Europe. Admettons qu'elle était noire comme moi, bien noire, noire des années là. Est-ce que tu pouvais comprendre qu'elle est quittée en Europe? Non. Mais vous voyez, pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on se présente comme ça? Pour éviter la convoitise, pour éviter les jalousies, pour éviter que ça ne provoque de la méchanceté, de l'amertume dans le cœur des uns des autres. Elle est simple, elle est modeste, elle habille avec pudeur. Et si nous tous on est comme ça, vous allez voir qu'il y aura l'amour entre nous. Mais si on a bien comme dans le monde, on vient qu'on est ça c'est les bengis. Et quand quelqu'un va approcher le bengis, un homme dit, hey, le bengis, faut pas t'approcher de celle-là, elle n'est pas bien. Il ne faut pas l'écouter. Elle est hier. Voici les bengis parmi nous. Voici les bengis parmi nous. Apôtre Paul. Apôtre Paul, c'est l'homme de Dieu de l'église de France. C'est lui qui contrôle toutes les églises d'Europe. Toutes les églises du réveil international, Jésus réveil d'Europe. Alléluia. Voici notre bengis. Maman Tabitha. Maman Abigail. Maman Abigail. Regardez. Si c'était avant. Et puis c'est une coutume, hein. C'est une coutume. On se comprend, non? Voilà, elle a le jet. Si c'était avant là, elle a porté son pantalon dernier cri Gucci. Elle a mis sa ceinture, son banana, ses gaffes. Reban noir d'église. Parce qu'elle ne peut pas parler, parce qu'elle donne les grosses dîmes. Mais vous voyez, le Seigneur les a transformés. Et bien dangereux parfum. Ça dit, ça l'annonce. Ça y est là, et puis quand ça va là, ça vous dit au revoir. Maman Péniel aussi, qui a aussi une puissance seulement de Dieu, qui fait Paris, Abidjan André, le Bougon à Djamé. Alléluia. Vous avez vu la simplicité. Et c'est ce que le Seigneur recommande. Bon, nous autres là, nous on est quitté au village. Voilà. Nous aussi. Non, le caméraman est quitté au village. Le caméraman il vient du Cameroun. C'est le prophète Abraham Paul de l'église du Cameroun. Alléluia. Les églises là, il tu a... vas même pas voir le prophète en train de filmer en direct. Regardez, il est prophète, mais il a la caméra. Regardez le sens de l'humilité. Si c'était dans les églises là, moi le prophète, prends une caméra par rapport à l'homme de Dieu. Tu m'as bien regardé. Moi ma place est en haut là-bas. Donc il y a pris avion pour venir faut prendre une caméra. Moi j'ai pris pied d'avion là, c'est pour venir prendre une caméra. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. L'humilité, la simplicité, la modestie. Et si on est comme ça, vous voyez que l'amour là, elle est fraternelle, il n'y a plus d'intérêt. On ne va pas vers l'autre parce qu'il est bien habillé, parce qu'il sent bon, parce qu'il est venu de l'Europe. Mais quand on s'approche de lui, c'est pour partager la parole de Dieu. Non, c'est pour vivre ensemble. C'est pour apprendre à s'aimer. Et c'est ce que le Seigneur veut. Acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui veut aller au ciel? Amen. Si tu veux aller au ciel, acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a beaucoup parlé. Alléluia. Amen. Alors, d'autres personnes vont dire, mais homme de Dieu, qui est déjà mort pour venir nous dire encore quelque chose? Alléluia. Parce que généralement, les gens disent que non. Vous parlez, parlez, est-ce qu'il faut mourir pour voir? Alléluia. Amen. Mais le Seigneur aussi a permis qu'il vienne aussi le riche et le pauvre. Alléluia. L'histoire du riche et du pauvre, le Seigneur, le riche a dit, ramène Lazare dans la maison de mon père pour aller dire ce que je suis en train de subir ici, sur la terre. Est-ce dans le feu? Alléluia.
alors Dieu aussi a donné des expériences. L'homme de Dieu va venir rendre son témoignage. Alléluia. Et la servante de Dieu, une femme aussi, elle va rendre son témoignage de ce qu'elle a vécu. Alléluia. Ce n'est pas que tu dises que tu n'as pas vu quelqu'un qui a perdu la vie et qui est revenu et qui rend son témoignage. Alléluia. Acclame le roi des rois. Alors, je vais appeler la servante de Dieu Pénière. Elle va venir ici. Elle est morte. Alléluia. Elle-même, elle est là. Alléluia. On dit quand genou est là, la tête ne peut. Comment on appelle? Quand la tête est là, genou ne peut pas chapeau. Alléluia. Puisqu'elle est là, si moi je dois parler, je vais diluer un peu. Mais si comme c'est elle-même là, là elle va donner sa brute. Et là tu vas entendre. Alléluia. Amen. Merci, mon Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que le Seigneur Jésus nous bénisse abondamment. Crie le guet. Jésus. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je prends le cri de guerre. Crie le guet. Jésus. Crie le guet. Jésus. Crie le guet. Jésus. Crie le guet. Jésus. Crie la victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie la victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie la victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Crie la terre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que si je me tiens ici sur mes deux pieds, c'est pas pure grâce. C'est parce que le Seigneur m'a fait la grâce. Alléluia. Amen. Je vais juste résumer. Avant, j'étais comme, je préfère dire comme toi. Avant, je m'habillais comme je voulais. J'étais chrétienne. Je partais à l'église. Selon tes pensées. Oui, selon mes pensées, j'étais chrétienne. Je partais à l'église. J'étais même dans le groupe d'intercession, dans le groupe de prière. Oui, j'étais aux assemblées de Dieu. Alléluia. Et je m'habillais comme je voulais. On ne m'a jamais interpellé pour dire cette manière de s'habiller ou bien cette manière de faire pouvait te faire perdre le salut. Moi, je pensais que quand tu acceptais Jésus et que tout est normal, si tu meurs, tu rentres au ciel, il n'y a pas de souci. Gloire à Jésus. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur n'a pas voulu que ce soit ainsi. Le Seigneur a voulu que je l'expérimente en esprit et en vérité. Le Seigneur a voulu que je sois ici ce matin te parler de ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Alors, je suis tombée malade. Et c'est dans la maladie que le Seigneur s'est révélé à moi. Je suis tombée gravement malade. Juste après mon mariage, j'ai commencé à saigner. Et j'ai saigné pendant un mois. Dès le dixième jour, c'est-à-dire dix jours après les saignements, j'ai commencé à m'inquiéter parce que nous les femmes, nous nous connaissons. J'ai commencé à m'inquiéter et j'allais un peu partout pour savoir ce qui n'allait pas. Gloire à Jésus. C'est comme ça que je me suis rendue dans des hôpitaux. Ils ont dit qu'il y avait des fibromes, des myomes, que je devais être opérée. Gloire à Jésus. Mais à chaque fois que je me rendais dans un hôpital, on me disait qu'on allait enlever mon utérus parce que les fibromes étaient mal placés. Le langage était comme ça, on devait m'enlever l'utérus, couper les trompes et autres. Chose que je refusais. Alléluia. Et les saignements ont continué. Et quand j'ai commencé à saigner, bien aimé, moi je suis banquier. Je travaille à la banque. Quand vous rentrez à la banque, vous voyez un peu ce qui se passe. Ceux qui travaillent à la banque, on nous dit que nous sommes le miroir de la banque. Quand on rentre à la banque, ton aspect, ton apparence doit attirer le client. Ça doit attirer le client. Et ce client-là, ton apparence doit fidéliser le client. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que ce qui fidélise, c'est ce que le Seigneur a mis en toi. Parce que je suis toujours à la banque, mais je suis celle qui est vraiment la plus sollicitée. Pas que j'ai mis quoi que ce soit sur moi, mais c'est parce que le Seigneur a déposé quelque chose. Et c'est ça qui a dit, c'est le Seigneur qui a dit. Et c'est le Seigneur qui retient. Gloire à Jésus. Et c'est ce que je faisais. Je m'habillais. Vous voyez les jeunes banquières. Talons. Voici mèche. Voici make-up. Faux cils.
faux ongles, tout ce que vous avez enlevé ce matin, je portais ça, les mèches et autres, j'étais très noire. Mais comme je n'ai pas aimé la couleur de peau que le Seigneur m'a donnée, alors je me suis dépigmenté la peau. J'ai fait le tchatcho, comme on le dit. J'ai fait le tchatcho. Je pouvais noircir, claircir, blanchir, jaunir, mais je faisais tout pour équilibrer. Gloire à Jésus, je le dis à ma propre honte. J'ai corrigé le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, il m'a attendu à un carrefour. Il m'a attendu à un carrefour. Il savait que sans lui, c'est-à-dire si lui ne se levait pas pour venir à mon secours, personne d'autre ne pouvait le faire. Gloire à Jésus. Alors, quand les saignements ont commencé vraiment à m'inquiéter, je ne pouvais plus porter les petites culottes. Je ne pouvais plus porter les mini-jupes. Je ne pouvais plus porter de pantalons. Je ne pouvais plus porter les chéris, regarde mon dos. Je ne pouvais plus porter les jupes mini et autres. J'ai commencé à mettre de gros boubous. Parce que je me disais que je pouvais me salir à tout moment. Alléluia. Bien-aimé, j'avais vraiment un teint, on dit teint de jeune fille, j'avais ça. Parce que je misais vraiment sur mon apparence. Je misais, je dépensais beaucoup d'argent pour paraître jolie. Alors qu'en réalité, le Seigneur m'avait fait déjà une femme très belle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Écoute-moi attentivement. Le Seigneur ce matin va te dire quelque chose. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que je m'habillais. Quand les saignements ont commencé à me fatiguer, je portais les boubous. Gloire à Jésus. Parce que je mettais les vanières, vous voyez, les vanières de maternité. Je pouvais changer 2 à 3 fois dans la journée. C'est ce que je mettais. Est-ce qu'avec ça, tu peux porter un habit qui te plaque le corps? J'aimais pas les habits amples. Tous mes habits vraiment me dessinaient. C'est-à-dire au millimètre près pour qu'on sente que vraiment j'ai la forme. Mon ventre là, je prenais soin de ça, je faisais des gommages, c'est-à-dire je prenais soin de la chair. Et quand je suis tombée malade, cette chair que je prenais le temps de chérir, cette chair que je prenais le temps de dépenser l'argent, cette chair que chaque fin du mois je partais, je prenais un budget pour cette chair là, la chair là m'a abandonnée parce que j'ai commencé à noircir. La réalité m'a rattrapé. Tu es malade, tu saignes, tu n'as plus la paix. Maman, tu saignes, tu n'as plus la paix. Tu cherches ta paix perdue. Tu n'as plus de joie. Je recherchais la joie. Je n'arrivais plus à manger. Je voulais le bien-être, c'est-à-dire mon confort là, c'est ce que je cherchais. Est-ce que je peux me pommader? Répondez-moi. Est-ce que je peux avoir même à l'esprit, si la pommade même finit, de me rendre à la pharmacie pour aller acheter la pommade? Alléluia. Je ne pouvais plus. Quand quelqu'un est malade, est-ce qu'il a le temps de payer encore pommade pour se pommader? Alléluia. Il n'a plus le temps même d'utiliser la pommade qu'il a à la maison. Alléluia. De s'habiller en sexy. Parce que ce qu'il veut actuellement là, c'est obtenir la guérison. Alléluia, la santé. Écoute très bien. Alléluia. Amen. Je ne pouvais plus faire ça. J'étais malade. Est-ce que je pouvais aller au salon de coiffure pour dire que je vais aller faire tissage ou bien je vais aller m'asseoir même pour faire shampoing? Je n'avais plus cette force-là. Alors j'ai soulevé un foulard. Sans le savoir, j'ai commencé à me voiler. Et tellement je n'avais pas la paix, toutes ces choses-là, je ne supportais plus. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles. Les gens me voyaient, on me demandait si j'avais perdu quelqu'un. J'enlevais mes boucles d'oreilles, je ne me maquillais plus. Parce que j'avais tout perdu. Les saignements ne s'arrêtaient pas. On me donnait des traitements, mais le sang ne s'arrêtait pas. Arrivé au moment, j'avais commencé à jaunir, j'avais commencé à devenir, à être anémié. Médicaments de sang, mais zéro. Alléluia. Père Lorrain, j'ai enlevé tout ça. Père Lorrain, alléluia. Elle sort rentrée dans la sainte doctrine. Elle a commencé à retirer les Père Lorrain. Alléluia. Gloire à Jésus. Les Père Lorrain, c'est toi, on appelle les Baya. Qui connaît Baya? Alléluia. Et si tu as ça, alléluia, ici actuellement, alléluia, tu fais signe, alléluia. Je souhaiterais que maman Christiane se lève et puis elle va communiquer avec les servants de Dieu. Alléluia. Même et puis on va vous donner tous les secrets de toutes ces choses. Alléluia. Même sur le cou des enfants. Gloire à Jésus. Et moi de nature, vraiment, avant, c'est vrai, je portais les bijoux, mais je n'aimais pas l'extravagance, c'est-à-dire les gros bijoux. Les bijoux trop vus là, je n'aimais pas.
J'aimais les bijoux vraiment discrets de l'homme, vraiment très joli, petit. Mais le Seigneur va me dire que même, quelle que soit la taille même du bijou, là, lui, il ne peut plus voir ça sur moi. Que ça soit gros, que ça soit petit. Lui, tant qu'il n'est pas dedans, il n'est pas dedans, c'est fini. Quelle que soit la taille, lui, il n'est pas dedans. Alors le Seigneur dit, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, que nous étions en train de lire, le Seigneur dit que ne se pas ni d'or. Que ça soit petit ou grand, mince ou petit, le Seigneur dit qu'il ne veut pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors j'avais commencé moi-même à enlever toutes ces choses parce que je trouvais que ça, en fait, ça empirait ma situation. Je voulais être libre. Sincèrement, je voulais être libre. Et mes cheveux naturels que le Seigneur m'a donné, pour montrer même mes cheveux, je ne sais pas, j'avais honte de ces cheveux-là. Donc tout le temps, c'était des perruques, des mèches, des perruques, les brésiliennes, les indiens, en tout cas, toutes sortes de perruques, toutes les couleurs. À ma propre honte, j'ai fait aussi, j'ai mis aussi les talons, tout ce qu'on pouvait mettre, les gourmettes, en tout cas, j'ai mis tout ça. Tchatcho même, là, on ne parle pas. Gloire à Jésus. Donc, j'ai commencé à porter les gros boubous. J'ai commencé à cacher les vilains cheveux que je trouvais, que le Seigneur m'avait donné. Je cachais mes vilains cheveux puisque je n'avais plus de perruque. Je ne pouvais plus supporter les perruques sur ma tête. Donc, j'attachais mes cheveux. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, il y a une soeur qui m'a dit d'aller voir à Cocody. Nico. Je me suis rendue à Cocody. Je me suis rendue dans cette clinique-là, mais le docteur a dit qu'il allait enlever tout ce qui faisait de moi une femme. C'était pareil que les autres docteurs. Donc je me suis retournée. Et un soir, avant de dormir, puisque j'étais désespérée. Sincèrement, quand le désespoir t'habite, où tu sais que tu n'as plus espoir, je me suis agenouillée à côté du lit. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais plus ce que je dois faire. Partout où je vais, on me dit, ils vont m'enlever mon utérus. Ils vont enlever mes trompes. Donc, je ne vais pas faire enfant. Ça ne peut pas arriver. Quel que soit l'endroit où je vais aller, moi, ce que tu m'as donné, tes serviteurs, tes servantes vont passer par là pour venir. Moi, quel que soit, s'il faut que je meure, je mourrai avec ce qui est en moi. Mais tant que je vivrai, pour enlever quelque chose, c'est seulement les myomes fibromes qui seront enlevés. Moi, mes organes ne seront pas touchés. Parce que cette femme qui a saigné pendant 12 années de sa vie, moi, un mois de saignement comparé à 12 années, c'est-à-dire si je devais me comparer à cette femme-là, il allait me manquer encore 11 ans et 11 mois. Bien compté. Mais cette femme-là, elle avait tout perdu. La Bible a dit qu'elle avait tout perdu. Mais Seigneur Jésus, le jour est à croiser. Tu t'es souvenu d'elle. Pour moi, là, c'est un mois seulement. Un mois. Il suffit que tu lèves le doigt. Et puis ma situation, là, c'est réglé. Mais le Seigneur savait que s'il réglait facilement, comme ça allait être trop facile pour moi, j'allais guérir et retourner à mon vomi. Tout ce que je n'arrivais plus à mettre sur moi, j'allais prendre et remettre encore sur moi. Il m'a dit, attends, ton jour n'est pas encore arrivé. Et quand j'ai fini de faire cette prière, j'ai dormi le lendemain matin, il y a une soeur qui m'a appelée. Parce que je me suis mariée en même temps, j'ai pris mes congés. Et c'était le tralala que je faisais. Mais bien aimé, je vous dis, j'ai perdu plus de 20 kilos. C'était mes os seulement qui restaient. J'étais devenue maigre, noire. C'est-à-dire, j'étais devenue laide. J'étais devenue vilaine. On ne pouvait même pas. On me donne cadeau, on ne me prend plus. J'ai demandé à mon mari, même pourquoi tu es toujours là. Il m'a dit, il faut laisser. Quand je partais te marier, là, on a dit pour le meilleur, pour le pire. Donc on est là jusqu'à ce que quelque chose arrive. Je n'ai jamais t'abandonné. Alors ça m'a redonné la force. Et je suis allée, il y a une soeur qui m'a confié. Elle m'a dit le nom d'un gynécologue, Alain Denier. Il s'appelle Dr Chevani. Quand je me suis rendue là-bas, il a fait une échographie. Il a dit qu'il y avait beaucoup de fibromes dans l'utérus. Au début, on disait 4. Après, on dit 8. Après, ça augmente. Il a fait l'échographie. Il dit, mais tout est pourri. Moi, je pensais que
Parce que la soeur qui m'a envoyé là-bas, elle dit, si tu vas, qui dit qu'il veut enlever tout, il faut laisser, il va enlever. Parce que le monsieur là, il connaît son travail. Mais je sais que si tu vas là, il va trouver une solution. C'est comme ça que je suis allée avec la foi. Et il m'a dit, comme ça, il a souri, il a dit, quand c'est gâté là, c'est là que le Seigneur travaille. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, il est le Dieu des cas compliqués. Quand c'est compliqué là, c'est là que le Seigneur se glorifie. Donc le Seigneur a attendu que ma situation s'empire pour que son nom soit glorifié. Gloire à Jésus. Et nous sommes allés à l'opération. J'ai saigné pendant un mois. Et lorsque ce docteur m'a donné son traitement, les saignements se sont arrêtés. Gloire à Jésus. Et il a programmé rapidement l'opération. Avant que je ne rentre dans la salle d'opération, voici un détail qui m'a marqué, qui va me marquer toute ma vie. C'était une Libanaise qui devait me préparer à rentrer au bloc. J'avais mon alliance. C'était le seul bijou qui était sur moi. Mon alliance. Les perles, je les portais de temps en temps. Mais comme ce n'était pas la première fois d'être opérée, j'avais déjà enlevé les perles. Elle m'a dit, ma soeur, on ne va pas au front avec des ornements. Une Libanaise, elle n'est même pas chrétienne. Elle m'a dit, on ne va pas au front avec des ornements. J'ai dit, quel ornement? Elle dit, bijoux, tu as porté bijoux pour aller au bloc. Il faut enlever bijoux. La bague, là, c'est un bijou. Une bague vraiment remplie de diamants, de convoitises. Elle m'a dit d'enlever. J'ai hésité, j'ai raisonné, mais après, j'ai enlevé quand même. On allait à l'opération, bien aimé. On m'a opéré de 56 fibromes. Vous me voyez là, je vis. Je peux faire toutes les activités que quelqu'un qui n'a jamais été opéré fait. Le Seigneur a multiplié mes forces. Le Seigneur a me donné la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai été opéré de 56 fibromes. 56 fibromes, bien compté, les petits, petits là. Ils n'ont même pas mis dedans. Gloire à Jésus. Et le Seigneur m'a fait la grâce de vivre. Il m'a fait la grâce de garder mes organes intacts. Mon utérus n'a pas été enlevé. Mes tempes n'ont pas été touchées. Le Seigneur a tout restauré. Et par miracle, même le docteur, après l'opération, je crois bien 2 ans après l'opération, je suis allée faire un contrôle. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Tes organes ont rajeuni. C'est comme si j'avais mes 18 ans. Gloire à Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui fait ça. Amen. Et quand j'ai été opérée, maman, je pensais que c'était fini. Alors que ce n'était pas fini. Parce que si je retournais à la maison, que tout allait bien, je retrouvais la santé, j'allais ramasser mes clics, mes claques, je remettais encore sur moi et le travail recommençait. Le Seigneur a choisi ce moment-là. Juste après l'opération, j'ai fait une infection. L'infection, je vous dis, telle que j'étais devenue, même si on te dit, tiens, voici une femme cadeau, même si c'est pour dormir simplement chez toi à la maison, tu vas dire que tu ne me veux pas. Gloire à Jésus. Et bien aimé, le Seigneur m'a fait la grâce. Dans ces moments de douleur, dans ces moments vraiment difficiles, le Seigneur m'a fait la grâce de me montrer lui, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le véritable Dieu, pour me montrer comment est-ce que je devais être désormais. Mais avant de me montrer ça, j'ai été humilié. Avant que le Seigneur ne me montre ça, j'ai été rabaissé. Je pouvais porter des petites culottes rates fait samedi soir, mon mari et moi, on se promène dans Yopougon. À l'hôpital. C'est vrai, j'étais nue. Parce que quand tu vois une jeune dame à porter une petite culotte, même si ça arrive ici, en réalité, elle est nue. J'étais nue, je me promenais. Mais la vraie nudité, là, je l'ai vue à l'hôpital. Tellement je n'avais plus de force. J'étais dans les mains des jeunes médecins, là, nue. J'étais nue. Et quand on me dépose comme ça, dans le lit, même pour tirer le drap pour mettre sur moi, je n'avais pas la force. Tous ceux qui rentraient là me voyaient. C'est quand mon mari arrive, il soulève le drap, il met sur moi, il me repositionne normalement. Et quand je suis couchée comme ça, tant que quelqu'un ne vient pas pour me retourner, ou bien si je fais l'effort moi-même de changer de position, et que je n'ai pas eu la force pour remettre le drap sur moi, je vais rester comme ça. Si c'est mon caleçon que j'ai porté, je vais rester comme ça. C'est quand ils vont venir, parce que tu as opéré. Grosse paradra ici. C'est quel caleçon tu peux porter? J'avais pas l'habitude de porter les strings. C'était les strings que je portais. Tu vas venir porter string là. Donc j'étais couchée comme ça. J'ai été nue.
j'ai été dénudée. Où ça devait me plaire, là, c'est là que j'ai vu que j'étais nue. C'est là que j'ai vécu la honte, la véritable honte quand on dit une femme est nue. Et puis quelqu'un rentre, tu ne peux même pas te repositionner pour mettre le pain sur toi. J'ai vécu ça, bien aimé. Mais le Seigneur me préparait. Alléluia. Le Seigneur me préparait. Et lorsque tout ceci s'est passé, après l'infection, la plaie a été réouverte. Il y avait du pus. Et ça a été fait sans anesthésie. Sans anesthésie, je vous dis. J'ai vécu des moments de douleur. Quand on dit douleur, là, j'ai vécu ça. Après ça, on dit qu'il y a du sang dans l'utérus. Il fallait enlever avec une grosse aiguille. Il n'y a pas d'anesthésie. On dit de serrer mes dents pour atténuer la douleur. J'ai tellement serré mes dents que je n'avais plus de force. Alors je me suis rappelé que Bartimée était aveugle. Il était mendiant. Quand il s'est présenté devant le Seigneur lui a demandé, Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais Bartimée est mendiant, il pouvait dire, je veux de l'argent. Bartimée n'a pas dit qu'il voulait de l'argent, il a dit qu'il voulait voir. Il voulait quitter des ténèbres pour la lumière. Le Seigneur lui a donné la lumière. C'est ce que j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour Bartimée, là, moi aussi, là, tu peux le faire pour moi. Tu dis, tu es venu pour les pécheurs, là, je suis là. Je n'ai plus espoir, je ne savais plus ce que je devais faire. Je t'ai désespéré. Je lève les yeux, autour de moi, il n'y avait personne. Même si mon mari était là, ma maman était là, personne ne pouvait rien faire pour moi. Personne, j'étais perdue. Et quand j'ai crié au Seigneur Jésus, il s'est souvenu de moi. Gloire à Jésus. Il s'est souvenu de moi. Moi-même, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il s'est souvenu de moi? Mais peut-être qu'en ce moment-là, je pensais que j'étais... Bon, j'ai crié au Seigneur de toute mon âme. J'ai crié à lui de toutes mes forces. Je n'ai pas compté sur un homme. Je n'ai pas compté sur un parent. Je n'ai pas compté sur mon époux. J'ai compté sur le Seigneur Jésus. Et j'ai eu la foi quand je lui disais, viens et sauve-moi. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi je lui ai dit, ce que tu as fait pour Bartimée, tu peux le faire pour moi. Tu dis, tu es venu pour les pécheurs. Là. Moi, je suis là. Je suis une voleuse. J'ai cité tous mes péchés. Je suis une voleuse. Je suis impudique. À cette façon, je m'habille. La Bible dit que tout à l'heure, les hommes de Dieu ont donné les versets. Ce n'est pas quand tu commets l'adultère, l'acte que tu as péché. Je m'habillais mal. J'étais à Yopougon. Je travaillais à Dabou. Je prenais le car. Chaque matin, combien d'hommes me convoitent? Le retour, combien me convoitent? Combien coucher avec moi spirituellement pour me donner tous ces esprits-là? Mais avec cet état-là, l'état de mon âme-là, je ne pouvais pas aller quelque part. Je ne pouvais pas aller quelque part. Quoique j'avais enlevé les fossiles, les fautes, tout, mais il fallait une délivrance. Il fallait une délivrance. Mon âme était tachée. Je ne pouvais pas aller quelque part. Mais le Seigneur qui savait qu'aujourd'hui, moi, je devais être à l'église ici pour dire ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui m'a préservé la vie. Alléluia. Bien aimé, ils sont venus me prendre pour aller me mettre dans le lit. Écoute-moi très bien. Quand on m'a déposé dans le lit, je me suis rendu compte qu'au niveau de mes orteils, j'avais comme des fourmillements. C'était des trucs qui faisaient bizarre, ça me démangeait d'une manière. Et je voulais dire à ma grande soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me rends compte que ma voix ne sortait plus. C'est comme si on m'avait mis des tonnes de ciment. C'est-à-dire des tonnes, j'étais devenue lourde. Comme si, je ne sais pas, je ne pouvais plus me lever. Et je pouvais toujours utiliser ma bouche. Ma voix ne sortait pas. Et après, je vois que mes pieds sont devenus quatre. Gloire à Jésus. Mes pieds sont devenus quatre. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais comment mes pieds sont devenus quatre? Je suis en train de délirer ou bien? Je vois, c'est mon âme qui est en train de sortir de moi. Et ça commençait par mes pieds. Ça commençait par mes pieds. Quand ça arrivait au niveau de la hanche ici, ça s'est dédoublé comme ça. Quand c'est arrivé à ce niveau, là, je me suis rendu compte que j'allais mourir. Puisque je parlais, mais ma soeur ne m'entendait pas. Je faisais des gestes, mais elle était là comme si elle ne me voyait pas. Et j'ai commencé à chanter. Je dis, mais si c'est la dernière chose qui me reste à faire pour rentrer au ciel, moi, je vais chanter. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'avais la ferme assurance, puisque je me disais que j'avais Jésus. Je disais que si je partais, j'allais pouvoir rentrer au ciel. Alors j'ai commencé à chanter. Jésus, fangano malèbla lolomi. Et comme ma bouche remuait,
Je voyais ma soeur aussi qui prédonnait la même chanson. Jésus, fangano malais, blalolomi. Nyamiawao, fangano malais, blalolomi. Jésus, je n'ai plus de force, mets-moi au dos. Papa, je n'ai plus de force, soutiens-moi. C'est avec cette chanson-là, mon âme est sortie. Et quand mon âme était en train de sortir, je voyais ma grande soeur, puisque là, je clignais maintenant mes yeux, je faisais comme ça à ma grande soeur. Et je suis sortie, je me suis vue, ma grande soeur, il y a un bouton rouge qu'on appuie pour appeler les urgences. Là. Elle était en train d'appuyer, appuyer, appuyer. Après, je l'ai vue courir. Et mon âme est sortie de moi. Je me suis retrouvée dans un endroit bizarre. Tout était noir. Alléluia, servant de Dieu. Pendant qu'elle est en train de parler, elle était chrétienne. Elle partait à l'église. Elle paye dîme. Elle paye offrande. Elle se dit, si elle meurt, elle va aller au ciel. Comme toi aussi, tu es en train de me dire aujourd'hui. Que si je meurs aujourd'hui, là, je vais aller au ciel. C'est comme ça qu'elle chantait. Pendant que son âme sortait d'elle, elle pleurait. Elle se disait que si je m'en vais au ciel. Mais regarde la surprise. Gloire à Jésus. Et je me suis retrouvée dans un endroit bizarre. Tout était noir. C'est dit, tout était noir. Donc j'ai mis mes mains sur ma tête. J'ai dit, Seigneur Jésus, je suis foutue. Je suis morte. Je suis morte. J'ai commencé à crier, Jésus! Jésus, sauve-moi. Quand je dis Jésus, sauve-moi, ça fait écho. C'est ma voix que j'entends. Jésus, sauve-moi. Mes mains étaient sur ma tête comme ça, comme quelqu'un qui avait perdu quelqu'un. Jésus, sauve-moi dans l'obscurité. Et tout d'un coup, le tonnerre, je dis, ce tonnerre, je ne sais pas si, je ne sais pas, même dans les endroits où il y a eu le plus de tonnerre, je n'ai jamais entendu un tel bruit. Je n'ai jamais entendu. C'est-à-dire, on ne peut pas décrire. Il faut vivre pour pouvoir expérimenter toi-même comment est-ce que ça résonne. Et ça s'est accompagné de lumière, une forte lumière, une lumière, une lumière avec cette couleur-là qui n'existait pas. On ne peut pas exprimer, on ne peut pas décrire. Et quand la lumière m'est apparue, j'étais obligée de me cacher, de cacher mes yeux parce que je ne pouvais pas regarder. Et la voix du Seigneur s'est fait entendre. Moi, je criais Jésus, Jésus. Et le Seigneur qui me dit, toi, tu es venu ici. Là. Tu es venu ici. Là. C'est moi qui ai fait que aujourd'hui, là, tu t'es retrouvé ici. Tu t'es retrouvé ici. Je veux juste que tu saches que cet endroit-là, ça existe. Et je disais, je veux aller vers la lumière. Je veux aller vers la lumière. Et la voix continuait pour dire, tu n'es pas digne. Tu n'es même pas digne de voir cette lumière. Mais ce n'est pas pure grâce que je te montre. Pour que tu saches que ce lieu-là, ça existe. Et bien aimé, quand j'ai vu la lumière, tout mon être s'est senti bien. J'étais guéri. C'est-à-dire tout ce que je traînais comme maladie, comme souffrance, j'étais en joie. Je rayonnais de joie. Je criais Jésus, Jésus, Jésus. Il dit, je ne t'ai pas envoyé ici pour la lumière. J'ai dit, mais comment ça? Je veux rentrer. Il dit, tu n'es pas digne. Là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais comment je ne suis pas digne? Comment je me retrouve là? Moi, je veux rentrer, je veux aller vers la lumière. Il dit, de toute façon, tu as vécu sur la terre. Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Je suis le Dieu saint. Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Tel que tu as vécu sur la terre, là, tu ne peux pas rentrer ici. Je t'ai envoyé ici pour que tu saches que ce lieu existe. Ce lieu-là existe. C'est le ciel existe, le paradis existe, mais toi, tu ne peux pas rentrer. J'ai dit, mais comment je ne peux pas? Moi, je suis chrétienne, comment je ne peux pas rentrer? Il dit, tu ne peux pas rentrer. Apocalypse chapitre 21, écoute très bien. Bien-aimé, aujourd'hui, comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire beaucoup de choses avec vous. Le Seigneur veut te réconcilier avec lui. Alléluia. Il le dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 27. Écoute très bien. Tout à l'heure, quand j'ai demandé, on a demandé qui va aller au ciel, nous tous ici, on a levé la main. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 27, il dit, mais rien d'impur n'entrera dans cette ville.
Alléluia. Le Seigneur dit rien de souillé ne peut rentrer là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la souillure là, on va te faire voir la souillure. Alléluia. Et c'est ce que, bien aimé, tu as commencé à retirer de toi. Gloire à Jésus. Oui, servant de Dieu. Et le Seigneur a dit, tel que tu as vécu sur la terre, tu as vécu dans la chair. Celui qui vit dans la chair peut jamais hériter de mon royaume. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 7. Écoute bien. Écoute bien. En effet, ceux qui vivent selon leur propre, ceux qui vivent selon leur propre nature. Donne-moi, oui, donne-moi la version, donne-moi ce que. Bien. Tiens, tiens. Avant. Romains chapitre 8, verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut pas. Alléluia. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plaire à Dieu. Verset 9. Verset 9. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est pourquoi. Alléluia. Il ne peut pas. Pour que le Saint-Esprit, bien-aimé, servant de Dieu, attends une minute. Bien-aimé, il y a un bidon vide ici, homme de Dieu. Vous voyez le bidon vide ici, là. Le bidon vide ici. S'il est sale et que tu veux mettre de l'eau dedans pour boire, tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Alléluia. Nous tous ici, lorsque même on loue une belle maison, avant d'habiter la maison, on va aller laver la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu aussi, pour habiter notre corps, parce que notre corps est le temple. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter, il faut que cette maison soit nettoyée. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu ce soir, ce matin ici, pour nettoyer la maison, pour venir habiter. Qui désire recevoir le Saint-Esprit? Bien-aimé, lève la main. Laisse-moi, l'homme de Dieu a dit quelque chose ici. Tant que vous détenez les dieux étrangers, des choses qui appartiennent à cette terre, au monde, vous ne pouvez recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, si on vous le disait, vous allez dire, mais c'est pourquoi le Seigneur a permis qu'il y ait quelqu'un qui a vécu cela et qui vient maintenant rendre témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, c'est bon de Dieu continue. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, tu as vécu dans la chair. Et toute personne qui vit dans la chair ne peut jamais rentrer dans mon royaume. Gloire à Jésus. Romains chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous. C'est-à-dire que vous devez vous habiller de Jésus-Christ. Alléluia. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez point soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Parce que la chair, là, pour satisfaire, là, c'est l'impudicité, la convoitise, la séduction. La séduction. Parce que si quelqu'un met le rouge à lèvres, c'est pour quel but? Oui, oui. Marchons honnêtement. Alors marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des excès. Loin des excès. De l'ivrognerie. De l'ivrognerie. De la luxure. De la luxure. Et de l'impudicité. Et de l'impudicité. Des querelles et des jalousies. Des querelles et des jalousies. Bien aimé, dites-moi. Bien aimé, quand une femme met le rouge à lèvres, c'est pour quel but? C'est pour séduire, bien aimé, c'est la vérité. Alléluia. Alors que sédition là, alléluia. Sédition là, appartient au diable. Alléluia. C'est le diable qui séduit. Les fils de Dieu et les filles de Dieu ne séduisent pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous cherchons à plaire à notre Seigneur Jésus-Christ par l'obéissance de la parole. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le rouge à lèvres là est un danger pour la femme. Alléluia. Regardez.
Une femme qui met rouge à lèvres, j'ai pris bidon vite. C'est bon. Une femme qui met rouge à lèvres, lorsqu'elle boit l'eau, où le rouge à lèvres rentre, à l'entrée, c'était ici, ça rentre, alléluia. Quand ça finit, elle remet. Quand ça finit, elle, ça rentre, alléluia. Bien aimé. Oui, alors que le rouge à lèvres là, on utilise le placenta des femmes enceintes. Est-ce que tu le savais? Est-ce que si tu le sais, lève la main. Toi, tu sais, ça faut lever la main. Alléluia. Alors, quand tu prends ces choses, et ces choses détiennent des produits chimiques, alléluia. C'est ton propre eau. Quand le WC là, est souillé jusqu'à. C'est-à-dire, il y a les. Non, il y a les trucs dedans. Vers, moisissure là. Et puis, c'est dur, on ne peut pas lever là. Il y a les acides qu'on verse. Et sur le truc, et puis on laisse ça quelques temps, et puis ça commence à mousser. Alléluia. Et le truc, maintenant, on commence à frotter pour que le truc sort. Le rouge à lèvres là contient ces choses. Alors quand tu mets là, ça rentre ici. Ça rentre dans tes entrailles. Alléluia. Et c'est ce qui vous donne les cancers, les fibromes, qui vous donne toutes ces choses. Donc ça veut dire que les myomes, les kystes, c'est qui veut dire que toi-même là, c'est toi-même qui es en train de te détruire à petit feu. Galates 5, 19 à 21. Écoute bien. Ce qui veut dire que c'est toi qui te détruis assez à petit feu. Alors que 1 Corinthiens dit, vous êtes le temple de Dieu. Et 1 Corinthiens 6, verset 3. Oui. Alors si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi va le détruire. Ah, on n'a qu'à lire. 1 Corinthiens chapitre 3. Écoute bien. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui, verset 7. Oui. Ne savez-vous pas que. Vous là, toi et moi, le Seigneur dit, ne savez-vous pas que. Vous êtes le temple de Dieu. Nous là, nous sommes la maison de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si une sœur, si un homme change la couleur de sa peau, il est en train de détruire le temple. Et chose, comment on appelle? Il lui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Quand elle met le rouge à lèvres, et qu'il y a les kystes, il y a les myomes, il y a les trucs, il y a les maladies, elle est en train de détruire le temple de Dieu. Oui. Alors si tu le fais, Dieu va te détruire. Et elle, qui a vécu ces choses, elle te donne son témoignage. Pardon. Puis écoute très bien. Alléluia. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Que le Seigneur te bénisse. C'est bon de te bénir. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur me disait, tu as vécu dans la chair. Tous ceux qui vivent dans la chair ne peuvent jamais hériter de mon royaume. Il a continué pour dire, tu as dénudé mon temple. Tu as dénudé mon temple. Il m'a posé cette question, il a dit, est-ce que mon temple est couvert de moitié? Tu as dénudé mon temple. En un mot, je m'habillais de façon sexy. Il m'a dit ceci, tu ne savais pas que je vivais en toi. Tu as dénudé mon temple. Tu ne peux pas rentrer dans mon royaume. Et moi, je raisonnais, je dis non, laisse-moi rentrer, je veux aller vers la lumière. Je veux aller vers la lumière. Il me dit, si je te montre, ne serait-ce qu'une seule fleur de cet endroit, tu vas vouloir rester. Mais cet endroit n'est pas fait pour toi. Je t'ai envoyé ici pour là-bas. Quand il a dit là-bas, il y a un grand vent. Je ne sais pas comment je dois décrire ce vent-là. Ça a été tellement rapide et en même temps un vent si fort. Le vent est venu me ramasser. Et je me suis retrouvée accroché à un château de feu. Je vous dis, un château de feu. Et là où j'étais accroché, là, j'étais dans une cage comme si j'étais un oiseau. Vous voyez là où on met les perroquets. Là. J'étais emprisonné comme ça. Et j'étais accroché à un grand château de feu. Et ce château de feu, là, c'était implanté dans un. Je sais, on ne voit pas de l'autre côté, mais tout était du feu. Et il y avait un grand château. Et c'est à ce château-là que moi j'étais accroché. Mais tout le monde, il y avait du monde. C'était le 27 décembre 2019. Ce jour du 27 décembre 2019, je ne sais pas combien de personnes sont descendues là-bas. On était nombreux. Les gens, d'autres tombaient directement. D'autres, les démons les accompagnaient. Où moi j'étais accroché. Le grand château, il y avait de gros démons comme ça qui étaient arrêtés de part et d'autre du château. Là. Ils avaient de gros piquants.
tu es vilain, ils sont grands. Il y a d'autres quand ils viennent comme ça, là, les démons les accompagnent en même temps dans le feu. Et moi, j'étais accrochée. Tout le monde criait Jésus. Tout le monde criait Jésus. Tout le monde criait Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Vous n'allez pas me dire que toutes ces personnes étaient des chrétiennes. Aujourd'hui, dans la rue, même quand on croise deux, trois personnes, il y a un chrétien, il y a un musulman, il y a un qui ne va pas à l'église. Il y a des gens de Kakou Philippe dedans. Mais tout le monde dans ce feu en enfer la criait, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi, Jésus donne-moi une chance, Jésus fais-moi retourner. Et les démons là-bas se moquent des enfants de Dieu, les démons crient, pour l'éternité, vous êtes là pour l'éternité. C'est-à-dire quand tu vas là-bas, il n'y a plus d'espoir. J'étais perdu. Moi-même pour moi là, c'était grand passé. Là où j'étais accroché là, si on me balançait dans le feu, qui va venir enlever ce truc qui était sur moi? D'autres même pouvaient crier comme ça, soulever des mains, mais moi j'allais faire comment? Et je criais, Jésus sauve-moi, Jésus je t'en supplie, fais-moi partie. Moi je viens, c'est ce que je disais, je viens à peine d'arriver, je te demande pardon, fais-moi retourner. Ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai, mais je t'en supplie, laisse-moi retourner, je t'en prie. Alléluia, servant de Dieu, ce que tu es en train de dire, la parole de Dieu confirme cela dans Apocalypse 21, au verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les menteurs, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ce qui sera la seconde mort. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai commencé à crier, Jésus sauve-moi, Jésus je t'en prie sauve-moi. Les démons qui crient, vous êtes là pour l'éternité, pour l'éternité. Et ça rit de l'autre côté, Jésus sauve-moi, Jésus sauve-moi. Le bruit, c'est-à-dire l'odeur qui est là-bas, je vous dis qu'on ne peut pas décrire l'odeur. Ça sentait, on ne pouvait pas respirer. Et j'ai commencé à crier. Au début, je criais comme les autres. Et le tonnerre a grondé. La voix s'est fait encore entendre. Alléluia. La voix s'est fait entendre. À cause de moi, le Seigneur Jésus. La voix s'est fait entendre. Amen. Et j'ai dit, Jésus, je suis là. Fais-moi retourner. Fais-moi retourner. Attends, aide-moi. Excuse-moi. Regarde. Bien-aimé. Voici quelques images. Ce sont des personnes qui ont vécu les choses. Et ils sont venus et ils ont relaté cela, dessiné cela. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas des histoires. Des personnes, puisqu'il n'y a pas appareil photo là-bas, pour tirer photo. Donc ce que la personne a vu là, il a dessiné textuellement. Pour dire, voici ce que j'ai vu là-bas. Alléluia. Voici ce que j'ai vu là-bas. Alors, là-bas, le feu attend tous ceux-là qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Que tu sois gentil. Bien aimé, ce n'est pas une affaire de gentil. C'est une affaire d'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, donc pense que à cause de la gentillesse, ils vont rentrer au ciel. Non, non, non. Oui. 1 Corinthiens chapitre 13, oui. Ce n'est pas la gentillesse. Alléluia. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, bien aimé, il est méchant. Alléluia. Que tu sois gentil. Alléluia. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. Écoute bien. Quand je parlerai la langue et des anges. Quand je vais parler la langue des pigeons, des anges. Oui. Si je n'ai pas l'amour. Si je parle la langue. Si je prophétise. Mais si je n'ai pas l'amour. Je suis un erreur qui résonne. Mais l'amour là, c'est quoi? On continue. Parce que, bien aimé. Oui, continue. Et quand j'aurai le don de la prophétie. Même quand je vais prophétiser. La science de tous les mystères. Quand je vais dire des choses. Et des révélations. Quand je vais dire des révélations. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes. Même quand je vais dire, ma soeur, au nom de Jésus, faut partir, tu vas avoir ton examen. Si je n'ai pas l'amour. Et oui, si je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Maintenant, écoute ici. Oui. Quand je distribuerai tous mes biens. Même quand je vais donner la nourriture aux pauvres. Pour la nourriture des pauvres. Oui. Quand je livrerai même mon corps. Quand je vais livrer mon corps. Pour être brûlé. Pour être brûlé. Oui. Si je n'ai pas l'amour. Voilà. Et quand je distribuerai tous mes biens. Quand je vais donner même mon argent. Pour la nourriture des pauvres. Quand je vais donner la nourriture, aider
personne. Quand je livrerai même mon corps. Moi-même, je vais donner mon corps pour dire que non. Si tu veux brûler. Si tu veux frapper la personne, il faut passer sur moi. Mais si je n'ai pas l'amour. Mais Dieu dit que si je n'ai pas l'amour. Donc ça, c'est pas l'amour. Oui. Alléluia. Maintenant, on va chercher l'amour, c'est quoi? Alléluia. Si je posais la question, ma soeur, tu aimes Jésus? Alléluia. Est-ce que tu aimes Jésus? Réponds, ma bien-aimée. Alléluia. Jean chapitre 14. Et puis 1 Jean 5. Alléluia. Jean 14, 15. Oui. Il y a aussi Jean 14, 22 à 24. Si vous m'aimez. Si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Voici l'amour de Dieu. Qui aime Jésus? Celui ou celle qui aime Jésus doit garder les commandements de Jésus. Alors Jésus dit que dans sa parole, une femme ne doit pas porter des perles. Alors, si tu aimes Jésus, tu dois retirer les perles. Jésus dit encore que si tu l'aimes, qu'il te dit qu'une femme ne doit pas porter des pantalons, les collants. Alléluia. Les pantalons et les collants ne sont pas faits pour les femmes. Pantalons et collants, c'est fait pour l'homme. Est-ce qu'on a montré l'image, même, homme de Dieu? Voilà les vêtements. Voilà un vêtement. Ce vêtement appartient à un homme. Alléluia. Donc on appelle ça cycliste. Qui a déjà entendu le mot cycliste? Alléluia. Qui a déjà entendu cycliste? Alléluia. Alléluia. Alors voilà, voici le cycliste. C'est quelqu'un qui fait du vélo. Alléluia. Et voilà le collant. Il y a son cou, il y a son long, et puis il y a son cou encore. Tous ces vêtements-là, c'est des vêtements d'homme. Et Jésus dit, toi femme, tu ne dois pas porter ces choses. Alléluia. C'est pas l'homme de Dieu à donner. Il dit qu'autrefois, quand un homme cherchait beaucoup de femmes, on l'appelait un coureur de jupon. Ce qui veut dire que sous ta robe-là, tu dois mettre un jupon, mais pas un collant. Alléluia. Parce que si tu portes le collant, tu vas contre la parole de Dieu. Et tu deviens plus spirituel, mais tu deviens charnel. Alléluia. Écoute bien, Deutéronome 22, verset 5. Une femme. Il dit une femme. Ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne doit jamais s'habiller comme un homme. Et un homme. Et un homme. Ne mettra point de vêtements de femme. Maintenant, attends, ma soeur, servant de Dieu, comment tu t'appelles? Tu sais que tu es servant de Dieu, non? Hein? Tu le sais. Viens. Dis-moi. Une femme là, les vêtements d'un homme, c'est quoi? Un pantalon. Alléluia. Alléluia. Donc le vêtement d'un homme, c'est quoi? Un pantalon. Donc imaginez que si nous aujourd'hui, on venait ici, on portait des robes. Maman Daniel, même elle va nous dire, attends, est-ce que c'est Apôtre Abraham que j'ai invité là? C'est lui qui est là? Non, 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 je me suis trompé. Monsieur, s'il vous plaît, attendez-nous dehors là-bas. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et Dieu dit qu'il y a une malédiction toutefois que la femme porte un vêtement d'homme. Car quiconque fait ces choses. Car celle ou celui qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Dieu dit c'est une abomination. Et regarde, regarde ici. Les deux m'ont dit non, mais moi je suis cross. C'est que je suis cross homme de Dieu. Donc mes cuisses là, c'est frotte-frotte. Ça appelle ça. Quand je porte collant, je suis à l'aise dedans. Voilà l'argument. Mais dis-moi, collant là, c'est hier, c'est venu. Mais avant, comment nos mamans s'habillaient? Ah, femme grosse là, ça existait en 90. Avant que tu ne naisses. Collant là, c'est sorti hier. Mais à 90, à 70, à 50 ans. Maman, comment les femmes là s'habillaient là-bas? Maman, Daniel. Elle s'habille en pagne ou en robe. Ah, elle s'habille en pagne ou en robe. Alléluia. Oh, bien aimé. Et regarde aujourd'hui là, la chair est fâchée, mais l'âme l'est contente, dit la nourriture pure. Alléluia. Bien aimé, va dire à ta voisine quelque chose de puissant va se passer aujourd'hui. Alors dispose ton cœur. Dis à ta soeur, dispose ton cœur. Parce que le Seigneur va te visiter ce soir, aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donne la servante de Dieu. Continue, maman. Gloire à Jésus. Amen. Et les démons criaient. Pour l'éternité, ils se moquent des enfants de Dieu là-bas. Pour l'éternité. Et ils rient entre eux. Vous êtes là pour l'éternité. Vous êtes là pour l'éternité. Et tous ceux qui étaient dans le feu criaient Jésus. Tout le monde criait Jésus. Je n'ai pas entendu un autre nom là-bas. Je n'ai pas entendu un autre nom là-bas. Je n'ai pas
Je n'ai pas entendu, maman Marie, sauve-moi. Mon pasteur. Tout le monde criait Jésus. Tout le monde criait Jésus. Et je disais, Jésus, sauve-moi, Jésus, fais-moi retourner. Et quand la voix s'est fait entendre, il m'a dit, mais tu me fatigues pourquoi? Qui es-tu? Alors que le Seigneur sait très bien qui je suis. C'est lui qui m'a créé. Il sait qui je suis. Alléluia. Mais quand il s'est montré encore une deuxième fois à moi, en enfer où j'étais en train de pleurer, crier. C'est bon de Dieu, attends une minute. Apocalypse 12, verset 17. Écoute bien. Si le diable vient avec les crocs, et puis là, nous tous ici, on va dire c'est le diable qui arrive. Alléluia. Donc le diable ne vient pas comme ça. Alléluia. Il vient de manière subtile. Je déguisé. Et il vient pour tromper. Comment il trompe? Par les mèches. Fossiles. Faux ongles, faux toutes ces choses-là, faut changer la couleur de ta peau. Parce qu'il sait que si tu changes la couleur de ta peau, Dieu a dit dans sa parole que tu ne dois pas contester avec Dieu. Donc si tu changes la couleur de ta peau, ça veut dire que tu demandes à Dieu, Dieu, je m'en fous de toi. Qui a déjà changé un peu? Qui s'est déjà tiens? Viens vous dire moi-même, viens vous rendre mon témoignage. Ma photo même est là. J'ai piqué. Piqué, comment faire prochain? Ah, c'est bon de Dieu, quel accord. Regardez, j'ai joué au basket avant. Donc, je jouais au basket. Donc, quand j'ai parti au panier, là, je voulais qu'on m'appelle, comment on appelle? On m'appelle Iverson. Alléluia. Donc, c'est ma honte que j'ai dit toutes ces choses. Donc, je vais à l'hôpital. J'avais une amie qui travaille là-bas. Donc, elle va payer, je lui donne l'argent pour aller payer les injections. Là. Et puis, elle finit de payer. Et puis, elle vient me donner. Elle vient. Mais Kenako, là, ça fait mal. Vrai, maman, ça fait mal. La partie où on pique, là. Tu es là, puis tu vas. Mais c'était pourquoi? À cause des clairs. Et puis on a quand même. Ils vont m'appeler Choco. À cause des Choco, bien aimé. Mais Choco, et tous ces choses. Imaginez que je mourrais là. Alléluia. C'est bon de Dieu, continue. Alléluia. Et la voix du Seigneur s'est fait entendre pour me dire qui es-tu? Alors qu'en réalité, le Seigneur sait très bien qui je suis. C'est lui qui m'a créé. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il ne me reconnaît plus. Il ne me reconnaît pas, mais j'ai changé la couleur de ma peau. Alléluia. La personne que j'étais, je n'étais plus cette personne. Donc le Seigneur ne me reconnaissait plus. Amen. Et il a dit, mais qui es-tu? C'est là que le Seigneur il m'a donné un nom. Il a dit, qui es-tu? Et il a dit ce nom, la Péniel. Alléluia. Il a dit, qui es-tu? Pourquoi tu me déranges? J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Ramène-moi tout ce que tu veux que je fasse là, je le ferai pour toi. Partout où tu vas m'envoyer là, je vais partir. Ce que tu veux que je fasse là, je le ferai pour toi. Il m'a dit, regarde. Quand il a dit, regarde, il y a un écran qui est sorti. Un écran géant qui s'est affiché. Je me suis vu le dimanche de mon mariage dans ma tenue traditionnelle. C'est-à-dire, j'avais une longue jupe, une longue robe. La fente était ici, à l'église. Mais j'étais en train de danser avec mon époux. J'étais cernée de bijoux de part et d'autre. Vous voyez les accents quand ils se marient. Ma maman allait ramasser les bijoux de sa grand-mère, de ma grand-mère, de sa maman. Tantôt on avait tous les bijoux. Et je me suis bien ornée avec. En tant que mon mari me disait, ne mettons pas de bijoux. Je lui ai dit, non, moi, femme abourée, je vais me marier puis sans mettre un bijou sur moi. C'est que ce n'est pas femme abourée. Moi, je vais mettre les bijoux. Vous laissez, c'est un seul jour. On met ces bijoux-là et puis c'est fini. C'est l'image que le Seigneur m'a montrée. Il a dit, regarde, tu ne savais pas que je n'étais pas dans les bijoux. J'ai dit, si, que je sais que tu ne voulais pas les bijoux. Mais comme c'est petit, petit, moi, je n'aime pas ce qui est gros. J'aime petit, là. Et il a dit, quelle que soit la taille du bijou, il ne faudrait même pas que ça touche le corps d'un de ses enfants. Mais moi, j'ai mis ces choses-là sur moi. De toute façon, j'ai vécu. Ma dernière demeure, c'est là où je suis. Servant de Dieu, attends un peu. J'ai envoyé le micro là quelque part. Alléluia. Servant de Dieu, viens. J'ai à prendre un peu le micro. Pardon. On a trop fatigué là, servant de Dieu. Il faut te reposer un peu. Alléluia. Bien-aimé. Voilà. C'est écrit, hein. Ici, là, c'est écrit. Faut pas, il faut dire qu'on n'a pas écrit. Allez, 1 Timothée 2, 9. Je désire aussi que les femmes s'habille d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Qu'elle ne sonne ni de coiffure compliquée, ni de bijoux d'or. Ah, c'est écrit, hein?
C'est écrit, hein. Et puis termine la partie là. Faut pas, tu as dit que c'est moi qui ai dit ça. Parce que c'est lui-même qui a dit. C'est ici, c'est ici. Ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux. Luxueux. Oui. Ça continue même de vêtements. Non, attends. Alléluia. Bible là. C'est pas nous. Mais c'est ce qui est écrit dedans. Et le devoir du pasteur, c'est de transmettre la parole telle que cela est écrit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Ni de bijoux, ni de perles. Alléluia. Qui a porté perles le matin là? Qui a mis perles à son poignet? Oui. Alléluia. Qui a mis ça? Alléluia. C'est bon de Dieu, tu appelles, non? Hein? Ouais, ça, pas enlever, enlever, on est dans la présence de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose là, un fils sage, il obéit. Regarde, imaginez. L'homme de Dieu a posé la question, qui a des enfants ici? Nous tous ici, on a levé la main. Alléluia. Quand tu parles à l'enfant, tu lui dis, ne fais pas ceci. Et que tu le dis, l'enfant fait ceci. Là. Qu'est-ce qui se passe? Une autre petite fessée sur les fesses pour lui dire, je t'ai dit de ne pas faire. Alléluia. Mais ici, la bien-aimée, si tu ne retires pas cela, et que la mort vient à te surprendre, les fessées là, c'est un enfer. Alors que quand on va en enfer, on ne ressort plus. Alléluia. Elle a eu la grâce de venir. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Elle est venue transmettre la chose. Alléluia. Même, je vais même. S'il y avait des paires de ciseaux même là. Mais maman, mes soeurs qui ont fait les choses là. On va enlever les dieux étrangers là. Sur nous. Et on va se conformer à la parole de Dieu. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça le Seigneur a dit. Quelle que soit la taille du bijou, je ne veux pas voir ça. Ah, il dit petit, son petit, son et puis son gros. Quelle que soit la taille du bijou. Regardez, ceux qui portaient ces choses, c'était des idolâtres, des païens, les esclaves. Et les esclaves. Regardez. Regardez. Regardez les traditions des hommes là. Parce que les démons là, dit de se d'habiller comme ça. Vous voyez, vous passez tchatcholi là, ça a commencé hier. Maquillage là. Regardez, ce sont les hommes, des démons qui ont inspiré ces personnes. Et voilà le l'homme, make-up. Il a percé aux oreilles, il a déchiré et il a mis objet dedans. Et il a mis le make-up sur le visage. Et il a mis maquillage. Fond de teint rouge. Voilà. Alléluia. Ça existe depuis. Ça n'a pas commencé maintenant. Ça n'a pas commencé maintenant. Il y a longtemps que ça existe. Alléluia. Gloire à Jésus, servant de Dieu. Servant de Dieu. Toi, tu es un servant de Dieu. Et le Seigneur nous envoie ici à cause de toi. Alléluia. Seulement écoute la parole de Dieu. Et le Seigneur va faire grande chose pour toi aujourd'hui. Alléluia. Regardez. Celle qui porte petit bout de rein, elle n'est pas différente de ce monsieur. Celle qui porte petit. Petit, mais qui est insignifiant, n'est pas différent de ce monsieur. Alors le monsieur là, ce sont les esprits qui lui disent de faire cela. Mais là, les esprits là. Regarde encore. Regarde l'air déchiré. Regarde. Et tu perces. Toi, tu fais petit persil. Tu dis non, j'ai fait petit persil. Sois fortifié, servant de Dieu. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. Parce qu'en ce temps de la fin, là, le Seigneur dit, vous devez connaître la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez. Ce sont les traditions. Regarde comment l'homme est devenu. Esclave de la tradition. Regarde comment l'homme. Et ça, là, si tu vas dans le pays, que tu ne t'habilles pas comme ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt. C'est bon, Dieu continue. Gloire à Jésus. Alléluia. Et le Seigneur a continué pour me dire, je suis le Dieu de vérité. Ah. Alléluia. Je suis la vérité. Mais toi, tu as mis tout ce qui est faux sur toi. Tout ce qui est faux là, tu as mis sur toi. Et puis tu dis, tu me sais, moi qui suis le Dieu de vérité. Gloire à Jésus. Il m'a rappelé que j'ai détruit la couleur de ma peau. Parce que j'étais noire. J'ai tout fait pour devenir clair. J'ai détruit la couleur de ma peau. Je me suis habillée de façon impudique. Je l'ai corrigé. C'est dit ce que je ne devais pas faire. J'ai fait. Donc moi, c'est ma dernière demeure. Je lui ai dit, je t'en supplie, fais-moi retourner. Je te demande pardon, fais-moi retourner. Ce que tu veux que je fasse pour toi, là, je le ferai. Et la voix me dit, mais tout le monde entier me prie, me
revenir. Mais tout ce monde entier, c'était quoi? Ou bien c'était qui? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le témoignage se trouve sur notre page. Vous allez après aller regarder. Parce que si je veux tout étaler, nous n'allons pas tout. Alléluia, maman. Je te bénisse. Par rapport à sa vie, là, sa vie était cachée devant les hommes. De la manière dont tu marches aujourd'hui, tu caches ta vie aux hommes. Tu donnes l'impression à l'église que tu es la sainte ou tu es le saint. Quand elle est partie, là, l'écran est sorti. Toute sa vie est passée comme un film. Qu'est-ce qui est caché devant Dieu? Qu'est-ce qui est caché devant l'Éternel? Sa vie qu'elle a menée sur la terre est sortie comme un écran. Et le Seigneur lui a présenté tout ce qu'elle a fait sur la terre. Et puis il dit, avec ça, tu vas rentrer ici dans mon ciel. On peut se cacher des hommes, mais l'Éternel, on ne se cachera jamais de lui. Gloire à Jésus. Alors j'ai dit au Seigneur, je t'en supplie, laisse-moi retourner. Laisse-moi retourner, je t'en prie. Le Seigneur a dit non, c'est ici que tu vas rester. C'est ici qui est ta dernière demeure. J'étais tellement désespérée et j'ai commencé à dire, si un seul jour j'ai donné un verre d'eau à un de tes serviteurs et puis ton cœur a été réjoui, même si c'est une seule fois, papa, fais-moi retourner. Tout ce que tu veux que je fasse pour toi, je le ferai. Gloire à Jésus. C'est vrai, j'étais ignorante quand je faisais ces choses-là. Mais dans toutes les églises où je me suis promenée, je faisais toujours la nourriture pour les hommes de Dieu. Je donnais toujours la nourriture aux hommes de Dieu. Si tu viens chez moi à la maison avant que tu ne partes, même si je n'ai pas à manger que tu arrives, je vais fabriquer quelque chose pour que tu puisses manger. Et là-bas, quand j'ai répété ça, il y a eu silence. Et le Seigneur a dit, je vais te faire retourner. Mais si tu retournes, va dire à mon église que je ne suis pas dans tout ce qui est faux. Tout ce qui est à jour et rajout, je ne suis pas dedans. Va dire à mon église que je ne suis pas dans les bijoux. Va dire à mon église, c'est-à-dire tout a été détaillé. Et à la suite de ça, j'avais la nostalgie de cette lumière-là. Et je disais, ramène-moi vers la lumière. Quand je dis ramène-moi vers la lumière, le crochet s'est détaché et j'ai commencé à rouler maintenant pour aller tomber dans le feu. J'ai crié, Jésus, sauve-moi. Et je suis revenue en même temps dans mon corps. La salle était remplie. Ma grande soeur, elle a failli me tuer. Pourquoi tu me fais ça? Bon, je t'envoie ici. Quand je suis revenue à moi, j'étais comme folle. Si j'avais une petite force, si je pouvais me lever, j'allais me lever puis commencer à courir dans tous les sens. J'ai commencé à crier, Jésus sauve-moi pour l'éternité, Jésus sauve-moi pour l'éternité, Jésus sauve-moi. J'avais commencé à avoir peur et j'ai dit à ma grande soeur, quand j'ai ouvert la bouche, je lui ai dit, je veux boire de l'eau. Parce que aucune goutte d'eau, les gens criaient là-bas de soif, je ne sais pas, c'est un endroit vraiment horrible. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas lui dire, tu vas aller en enfer. Ça n'est plus dans mon langage. Même à ton pire ennemi, tu ne peux pas lui dire ça. Et le Seigneur m'a fait la grâce de revenir. Après ça, il est venu, il a pris l'aspect d'une dame, une femme dépouillée, une femme vêtueuse. Et il m'a montré comment est-ce que désormais je devais m'habiller. Comment est-ce que je devais même ouvrir la bouche pour parler. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais me voiler. Voiler. Il faut sortir un peu avant de te voir. Va un peu dehors. Gloire à Jésus. Va dehors. Et le Seigneur a demandé que je sois voilée. Et c'est comme ça l'apparence que le Seigneur a demandé. C'est comme ça. Vous me voyez maintenant voilée. On ne peut pas venir dans la présence du Seigneur sans être voilée. Il y a d'autres qui disent que je suis voilée, mais en bas il y a des mèches. Ce n'est pas la vérité, c'est du mensonge. Nous sommes au service du Dieu de vérité. Alléluia. Et quand je suis revenue à moi, dites-moi, avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que je pouvais retourner dans ces choses? Je ne pouvais plus. J'étais comme dos au mur. Alors j'ai pris la décision. En tout cas, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus dans la vérité. Alléluia. Quand tout s'est passé, puis je suis retournée au travail. Ceux qui me connaissaient, ils pensaient qu'il y a des gens même qui ont pensé que j'avais le sida. Il y a des gens qui ont pensé que j'avais le cancer, que j'étais en train de mourir. Il y a d'autres qui, mes collègues me disaient, mais Élise, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je leur ai dit que c'est Jésus qui est passé par là.
Habituez-vous parce que désormais, là, c'est comme ça que vous allez me voir, ça ne va pas changer. Gloire à Jésus. Amen. Et le Seigneur a pris le temps de m'enseigner. Maintenant, puisque là où j'étais, là. Là où j'étais, et puis je me suis retrouvée dans tout ce que j'ai vécu là. Moi, je ne peux plus retourner là-bas. J'ai posé des questions, je n'ai pas eu de réponse. J'ai dit au Seigneur, toi qui m'as fait revenir, tu dis d'aller et puis de dire à tout le monde, à ton église, ce que tu m'as montré. Mais il faudrait que je sois stable. Envoie-moi là où tu veux que je sois. Pour que j'ai cette stabilité spirituelle. Pour que j'ai cette stabilité là, dans la persévérance, jusqu'à ce que tu me rappelles à toi. Pour que cette fois-ci là, tu ne me dises pas que je ne t'ai pas envoyé ici pour voir la lumière. Mais que je rentre vraiment dans ton ciel. Et c'est là que le Seigneur m'a montré notre Père dans la foi. Gloire à Jésus, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je ne suis pas en train de lui lancer des fleurs. Les fleurs, c'est à Jésus qu'on lance. Amen. J'ai demandé au Seigneur sur mes genoux, envoie-moi là où je dois être nourri spirituellement. Parce que tu ne m'as pas tout montré. Il y a des choses que je dois découvrir. Je dois aussi passer par la délivrance. Et c'est comme ça le Seigneur a disposé des choses. Et je suis rentrée maintenant dans le réveil. Le Seigneur a pris le temps de me nettoyer, de me laver, de me purifier. Pour que je sois celle que je sois. Gloire à Jésus. Alléluia. Et le Seigneur savait. Plus que l'ennemi. L'ennemi, il ne s'est pas éloigné. Hein. La Bible dit qu'il rôde. Il attend que je retourne à mon vomi. Il rôde. Il rôde. Mais j'ai Jésus comme appui. Alors, le Seigneur, puisqu'il savait que tout ce que j'avais fait, là, j'étais en captivité quelque part. Je vous dis, de façon authentique, de façon réelle, le Seigneur est venu me chercher chez moi à Le Pougon, jusque dans mon village, pour aller récupérer ma tête qui avait été coupée. Et nous sommes revenus. C'est-à-dire que la tête était coupée, c'était dans un coffre à tête coupée. Je ne sais pas, c'est tellement magique de vivre ces choses avec le Seigneur. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Il est venu me chercher. On allait une porte, je vous dis, une porte blindée. Un homme ne peut pas ouvrir. Mais nous sommes rentrés sans clé. Quand nous sommes approchés net, ça, la porte s'est ouverte seule. Nous sommes rentrés. Il y avait beaucoup de têtes comme ça qui étaient coupées, qui étaient approchées. Et je regardais parmi les têtes. Je cherchais à regarder le visage de ceux qui étaient là. Mais à chaque fois que j'essayais d'identifier la personne, ça devenait flou. Parce que ce n'était pas l'intention. L'intention, ce pourquoi on était là-bas, c'était de récupérer moi ma tête. Donc je disais comme ça, mais je ne vois pas ma tête. Mais le Seigneur a dit, mais ta tête ne peut pas se retrouver là. Regarde, quand il a dit regarde, tout à fait en bas, c'était la seule tête. Je vous dis, c'était coupé, comme si on avait arraché de force. La chair ici n'était pas dessus. C'est comme si on avait arraché de force. Cette tête avait porté une perruque. Cette tête avait fait rouge à lèvres. Cette tête était avec le make-up. Cette tête avait les boucles d'oreilles. Et quand j'ai soulevé la tête, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si au moment où je soulevais ma tête, normal était sur moi, ou bien, mais j'ai soulevé la tête. Et puis j'ai dit, mais ce n'est pas moi. C'était moi. Ce n'est plus moi. Moi, je suis maintenant une femme dépouillée. Non. J'ai récupéré la tête et le Seigneur, dans ma paume droite, il a mis un tissu tout blanc, éclatant. Et c'était mouillé. Il m'a dit, sanctifie le visage. Et quand j'ai commencé à nettoyer, les mèches, la perruque qui était dessus, est tombée. Les boucles d'oreilles ont disparu. Le trou des boucles d'oreilles se sont refermées. J'ai nettoyé tout. Quand j'ai fini de nettoyer, il a dit, sortons. Quand nous sommes sortis, on a entendu derrière nous. Vous voyez la porte blindée qui se referme. On a entendu, boum. Et nous sommes ressortis. Quand nous sommes sortis, nous nous sommes retrouvés encore à la maison, là où il est venu me réveiller pour qu'on puisse aller récupérer ma tête. Il m'a dit, réveille ton mari. Dis-lui de te placer ta tête. Et j'ai dit à mon mari, il s'est levé. Il est venu, il a pris ma tête. J'ai dit, pardon, il ne faut pas pencher ma tête. Il faut bien positionner pour que ça soit joli. Il a positionné, le Seigneur a dit, dis-lui de faire le premier pansement. Donc le même chiffon qui était dans ma main, mon mari a pris, il a fait comme ça, il a fait le premier pansement. Quand c'est fini, et le Seigneur me dit, dis-lui de t'envoyer à l'hôpital pour les derniers soins. Quand mon mari, j'ai dit à mon mari, prends ma carte d'assurance. Quand il a pris la carte nette, je suis revenue en moi.
J'ai sauté, je dis Jésus a récupéré ma tête. Mon mari, quand c'est comme ça, la nuit. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur a récupéré ma tête. Il m'a enlevé un manteau de kafa qui représentait l'état de mon âme. Il a enlevé ce manteau de kafa. Je vous dis, ce n'est pas les petits kafas qu'on voit dans nos WC, même les WC les plus dangereux. Les kafas qui sont là-bas, là, sont, ce sont des kafas qui avaient des yeux d'homme. Ils avaient, genre comme le visage, quand tu regardes en derrière un homme, ils étaient des milliards. Et ça m'a porté un manteau comme ça. Tout le corps, c'était des kafas. Et le Seigneur, par sa lumière dans le ciel, la lumière est descendue sur moi. Et ça a aspiré tous les kafas. Gloire à Jésus. Le Seigneur sait que je suis une femme. Il sait qu'avec tout ce que j'ai vécu, les hommes vont vouloir m'établir sur une œuvre. Il m'a montré qu'il n'est pas dans le ministère de la femme. Il m'a dit, Péniel, jamais je vais te voir. Allez, dis que tu as la chair, tu es venu prêcher. Je ne suis pas dedans. Il m'a montré tout ce qui est caché sur le ministère, derrière le ministère de la femme. J'ai vu ce gros serpent qui était derrière la chair. Toutefois, qu'une femme s'arrête là pour parler, c'est ce serpent-là qui est là. J'ai vu ça de mes propres yeux. Le Seigneur m'a montré le purgatoire pour me dire que quand tu meurs, soit tu vas dans le séjour des morts, soit tu vas dans le sein d'Abraham. Il n'y a pas un endroit où tu vas et puis on prie pour toi et puis tu guéris, après tu rentres. Il m'a montré clair, c'est un endroit de torture. Et Satan a un trône là-bas, j'ai vu Satan clair comme ça dans sa beauté diabolique. Il est vilain avec les yeux rouges des hommes. Là où il était assis, là, ils ont fait un trône noir comme ça, il était assis dessus. Ses orteils, c'est long comme ça, quand ça traîne partout dans le purgatoire. Et les âmes étaient torturées. Les âmes, on les déchirait. Ils étaient. Et Satan, c'est Satan lui-même, de sa bouche, qui m'a fait savoir que ce lieu-là, c'est le purgatoire. Parce que quand nous sommes arrivés, moi, j'étais juste caché derrière le Seigneur comme ça. Il a dit, n'aie pas peur. Je t'envoie ici pour que tu puisses voir. Et voici Satan qui crie. Il riait comme ça. Ha ha ha! Voici votre purgatoire. C'est une de mes inventions. Et il donnait des ordres aux démons d'endurcir le cœur des catholiques. Il donnait des ordres aux démons d'endurcir le cœur des musulmans. Il donnait des ordres aux démons de souiller tout ce qui est sur le marché. J'ai vu tout ça. Et le Seigneur m'a fait la grâce aujourd'hui, je suis là. Si tu as entendu ma voix, le message n'est pas pour moi seul. Le message n'est pas pour moi seul. Si c'était pour moi seul, elle n'allait pas me dire, va et dis à mon église. L'église là, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Le Seigneur m'envoie te dire que les bijoux, les make-up, tout ce qui est à jour, à jour, tu écoutes, faut rester écoute. Tu portes tes talons, tu corriges le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. S'il m'a fait la grâce, vous encore vous vivez. Moi, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai donné vraiment à l'Éternel des armées pour qu'il me fasse grâce. Souvent je suis là, je réfléchis, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai bien pu lui donner pour qu'il me redonne cette chance. Mais je l'ai saisi, j'ai saisi cette chance. Et souvent mon mari il est là, il me regarde comme ça, il me regarde jusqu'à, il dit attends, c'est toi tu es là, là. Non, Jésus est fort. Et puis il lui dit tape ici. C'est parce que tu as été là que Jésus aussi a été fort comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tu as entendu ce témoignage. Ce n'est pas une histoire, mais c'est la réalité. Et par ignorance, tu as mis toutes ces choses là sur toi. Et tu pensais adorer Dieu avec ces choses, les bijoux, les boucles d'oreilles. Mais en le faisant, toutes ces choses est contraire à la parole de Dieu. Et tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a de la place ici. Alléluia. Tu peux venir t'asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Servant de Dieu. Vous deux, toi qui es là, viens. Viens, il y a une place ici. Viens t'asseoir. Et les anciennes là, s'il vous plaît. Laissons les servants de Dieu la volonté. Alléluia. Là, il va y avoir de la place ici. Alléluia. Venez la maman. Servant de Dieu, viens. Alléluia. Il y a de la place ici. Viens. Venez. Il y a 4, 5 personnes. Je veux 5 personnes dehors. À rentrer. Alléluia.
Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Allez-y, hein, 5 personnes. Alléluia, il y a plusieurs places. On veut les personnes qui sont dehors là. Les personnes, elles ont besoin de cela. Maman, viens t'asseoir, assieds-toi là. Alléluia. On a bien entendu la réponse. C'est bon, c'est bien. Quoi, c'est bon. Venez. Toi, j'ai déjà dit, c'est bon. Alléluia. Venez. Oui, on va tout de suite, allez, viens, libérer ton peu. Allez, viens, 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 c'est bon de Dieu. Viens. Toi qui peux entrer, vas-y. Viens. Ne regarde pas le regard des autres. Toi qui dois entrer, vas-y, ne regarde pas le regard des autres. C'est bon de Dieu, prenez le bébé, s'il vous plaît. Et maman de miracle. Là où elle était, le bébé, elle était seule. Il n'y avait personne d'autre à côté. Prenez le bébé, s'il vous plaît. Prenez les enfants pour ne pas que les mamans soient distraites. Alléluia. On a encore une place là. Il y a encore une place. Les servants de Dieu, prenez les mamans qui ont des enfants là. Là, ça va les faciliter la tâche. Alléluia. Bien aimé, on va rentrer dans une phase de repentance. Amen. Le livre de Proverbes 28, verset 13 dit que celui qui cache ses transgressions le prospère. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, ce matin, le Seigneur veut te faire miséricorde. Mais pour qu'il te fasse miséricorde, il faille que ta repentance soit sincère. Il ne faudrait pas que ce soit une repentance du bout des lèvres. Trop longtemps tu as fait des récitations, tu as fait des litanies, trop longtemps tu as fait des routascas. Seigneur, pardonne, et après tu retournes à ton vomi. Voilà ce que tu vas faire. Il y a longtemps le message que tu as entendu. Et du témoignage de maman Pétain, tu vas rentrer en toi-même. Prendre une position d'humilité. Et demander sincèrement au Seigneur Jésus de te pardonner. Mon God, toi-même tu es concerné, toi-même le pianiste est concerné. Toute l'église va prendre une position d'humilité. Je veux que les anciens prennent les bébés afin de permettre à tout le monde de pouvoir profiter de ce moment. Parce que comme je te l'ai dit d'entre deux jeux, le salut va rentrer ici. Mais le salut, cher Jésus-Christ de Nazareth, ne peut pas rentrer. S'il y a encore de l'hypocrisie, de la duplicité, s'il y a encore du mensonge, s'il y a encore de la publicité. C'est pourquoi je souhaite du fond du cœur ce matin que ta repentance soit sincère et qu'elle ne soit pas du bout des lèvres. Qu'elle ne soit pas une récitation, une litanie. Mais que tu te répondes sincèrement. Que tu regrettes tous tes actes. Oh, la fois où tu as perdu ta virginité avant le mariage. La fois où tu t'es percé les oreilles. Quand tu allais dans un salon de coiffure pour te défriser les cheveux, quand tu achetais des produits cosmétiques pour te détaper la peau, quand tu es sorti avec des hommes mariés, toutes les fois tu allais chez des marabouts dans le but d'augmenter ton charme, dans le but d'enfouter les hommes, quand tu allais dans les marchés acheter des produits cosmétiques dans le but d'augmenter tes seins, augmenter ton postérieur, quand tu allais dans les marchés acheter des vêtements dans le but de te déshabiller. Où tu as acheté des vêtements impudiques. Où tu es sorti avec la jeune fille sans que tu n'aies payé sa tante. Oui. Où tu as célébré des fêtes qui sont dédiées à des démons. Où tu as fait des sacrifices à des carrefours. Où tu es sorti avec des femmes mariées. Où tu as parlé mal de ton frère ou de ta soeur. Où tu as pris des sacrifices dans le but de faire mal à ton frère ou à ta soeur. Tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix et demander au Seigneur de te pardonner. Et tu vas implorer la grâce du Seigneur Jésus. Commence par t'humilier. Commence par t'humilier. Commence par demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Commence par demander sincèrement pardon au Seigneur. Commence par demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Commence à regretter tout ce acte que tu as eu. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Élève la voix humblement. Élève la voix humblement. Et demande au Saint-Esprit de te pardonner. Et demande au Saint-Esprit de te pardonner. Pour toutes les fois où tu as porté des collants. Pour toutes les fois où toi, femme, tu as mis des collants. Pour toutes les fois où toi, femme, tu as porté des pantalons. Pour toutes les fois où toi, femme, tu as mis des pantalons. Pour toutes les fois où tu as exhibé ta partie privée. Pour
Toutes les fois tu exprimes ta particularité. Toutes les fois tu exposes ta nudité sur les réseaux sociaux. Toutes les fois tu exposes ta nudité sur les réseaux sociaux. Ou toutes les fois tu t'es déshabillé dans les rues. Ou toutes les fois tu t'es déshabillé dans les rues. Ou tu as porté des vêtements pudiques. Tu as porté des vêtements pudiques. Ou tu as laissé entrevoir ta poitrine. Tu as laissé entrevoir ta poitrine. Ta partie privée. Ta partie privée. Ou tu as laissé entrevoir ton postérieur. Tu as laissé entrevoir ton postérieur. Tes jambes. Tes jambes. Ou tu as exposé ta nudité. Ou tu as exposé ta nudité. Ou ton but était de séduire des hommes. Ou ton but était de séduire des femmes. Ou ton but était de séduire des femmes. Ou ton but était de séduire des femmes. Ou toi-même jeune homme. Ou toi-même jeune homme. Tu t'habilles de façon à exposer ta nudité. Tu t'habilles de façon à exposer ta nudité. En short. En short. En culotte. En culotte. Ou tu as porté des vêtements sexy. Tu as porté des débardeurs. Des vêtements plaqués. Des vêtements plaqués. Ou on voit ton sexe. Ou on voit ton sexe. Ou on voit tes aisselles. On voit tes aisselles. Ou on voit ta poitrine. On voit ta poitrine. On voit tes cuisses. On voit tes cuisses. Oh, tu vas te répentir pour tout cela. Tu vas te répentir de tout cela. Bien-aimé, tu n'es pas à genoux pour ne pas parler à Jésus. Souviens-toi que pendant que maman Péniel rendait son témoignage, elle a dit qu'elle a crié à Jésus comme Bartimée. La parole de Dieu déclare que la foule passait et Jésus passait au milieu de la foule. Il y avait plus de 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 personnes. Mais Bartimée a crié. Et sa voix résonnait. Il n'avait pas de micro. Mais il a tellement crié. Et Jésus a entendu sa voix. Plusieurs ont voulu dire à Bartimée d'arrêter de crier. Que ton orgueil ne t'empêche pas de parler à Jésus ce matin. Que ton orgueil ne t'empêche pas d'élever ta voix ce matin. Bien-aimé, je suis sûr d'une chose. Si tu te retrouves dans le feu maintenant, tu ne vas pas économiser la voix que Jésus t'a donnée. Élève la voix. N'économise pas la voix que Dieu t'a donnée. N'aie pas honte de ton voisin. Si tu as volé, dis que tu as volé. Le Seigneur ne te pardonne pour toutes ces choses. Tu ne le savais pas. Les boules d'oreilles, ces choses, ces mèches. Tu ne savais pas. Tu as changé la couleur de ta peau. Aujourd'hui, tu te rends compte que toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Dieu, Seigneur, ne te pardonne. Lève la voix et commence à parler. J'ai changé la couleur de tes cheveux. Tu t'es mis des fausses ongles. Tu t'es mis des faux cils. Des faux cils. Tu allais dans mon homme. Tu allais dans mon homme. J'ai porté des vêtements sexy. Tu as porté des vêtements sexy. Tu as mis des hauts talons. Tu as mis des hauts talons. Tu as porté des mini jupes. Tu as porté des mini jupes. Tu as célébré des fêtes qui sont des fêtes païennes. Tu as célébré la Noël. La Toussaint. La Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Oh, le Mardi Gras. Le Mardi Gras. La fête des mensonges. La fête des mensonges. Le poisson d'avril. Le poisson d'avril. Tu as menti sur les réseaux sociaux. Tu as menti sur les réseaux sociaux. Tu as menti sur ton compte. Tu as menti sur ton compte. Tu as menti sur le compte de quelqu'un. Tu as menti sur le compte de quelqu'un. J'ai sorti avec des hommes mariés. Demande pardon à Dieu. J'ai sorti avec des femmes mariées. J'ai sorti avec des femmes mariées. J'ai abusé de la femme de quelqu'un. J'ai abusé de la femme de quelqu'un. J'ai volé la virginité de quelqu'un. J'ai volé la virginité de quelqu'un. Bien-aimé, ne te tais pas. Demande pardon à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Ni comme Bartimée a crié. Ni comme Bartimée a crié. Écrète tes péchés. Écrète tes péchés. Bien-aimé, ne le dis pas pour moi, mais ne le dis pas pour moi, mais Dieu. Parle à Jésus. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Réponds-toi sincèrement. 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 Dis au Seigneur ce que tu as fait. Dis au Seigneur ce que tu as fait. Dis-lui tout ce que tu as fait. Assure-moi si tu es sincère. Assure-moi si tu es sincère. Le Saint-Esprit vient te délivrer. Le Saint-Esprit vient te délivrer. Voilà Jésus. Va descendre sur le te délivrer. Te délivrer. Te restaurer. Te restaurer. Et t'accorder son salut. Son salut. C'est pourquoi ne te tais pas. Oh, ne te tais pas. Ne te tais pas. Égrène tes péchés. 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 Voilà Jésus. Dis-lui que tu t'es tapé la tête. Dis-lui que tu as volé la tête. Dis-lui que tu as sorti la tête. Dis-lui que tu as porté la tête. Dis-lui que tu as exhibé ta tête. Dis-lui que tu as exhibé ta tête. Voilà Jésus. Dis-lui que tu t'es masturbé. Dis-lui que tu allais chez les malades. Tu allais chez les malades. Oh, dis-lui que tu t'es masturbé. Oh, tu t'es masturbé. Dis-lui que tu as regardé les images. Voilà Jésus. Crie à Jésus. Parle à Jésus. Ce n'est pas un jeu. Dis-lui que dans ton téléphone, j'ai encore parlé. J'ai encore. À des sites de drague. À des sites de drague. À des chaînes de drague. À des chaînes de drague. À des chaînes pour le drague. À des chaînes pour le drague. Et réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement.
Crie à Jésus. Le Seigneur a commencé à travailler. Oh bien-aimé, le Seigneur a commencé à travailler. Ne sois pas, va, ne te tais pas. Parle à Jésus. Mais si tu te tais, si tu te tais, en enfer, en enfer, tu auras toute l'éternité pour finir. Tu auras toute l'éternité pour finir. Oh l'éternel, oh l'éternel, ne fais pas que Dieu te répondit en enfer. Ne fais pas que Dieu te répondit en enfer. Il faut que tu parles que tu es vivant. Il faut que tu parles que tu es vivant. Que tu te répondes, c'est ça. Que tu te répondes, c'est ça. Que tu te répondes, c'est ça. C'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi ce soir, ce matin, ce matin, réponds-toi, c'est ça. Réponds-toi, c'est ça. Réponds-toi, c'est ça. Tenez-vous debout. Oui, mais le Saint-Esprit va faire quelque chose là. Le Seigneur va te guérir, te libérer. Oui, il veut te visiter. Il veut briser les chaînes de la malédiction qui trop longtemps pesaient sur toi, qui te condamnaient. Retirez les chaises, faites sortir les chaises. Mettez-les oui. Et Jérémie, oui, toutes les chaises. Tu te tiens debout, tu gardes les chaînes fermées. Libère sa vie, solaire, nom de Jésus. Prends toutes tes armes, 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 prends toutes tes arm
Retire tes cheveux petits. Retire tes faux cheveux. Retire tes faux ongles. Retire tes faux cils. Tu retires tous ces articles. Retire la robe de la séduction que tu as fait par là. Je pousse les chaînes. Tous les enfants que tu as eu avec elle. Par les petits carnages. Je les égorge du premier au dernier. Je les égorge. On a besoin d'un saut ici. Un saut, un saut. Allez, vomis ta semence. On a des sauts. Est-ce qu'on a des sauts? Vite, 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 des sauts. Allez, vomis. Allez, vomis un saut ici. Prends un saut de Jésus. Prends un saut de Jésus. Un saut ici. Un saut là. Maman, n'allez pas parler des sauts, maman. Prends le sang de Jésus. Feu. Prends le sang de Jésus. Il y a un sursaut dans mon coffre d'or. Viens, viens, prends la caméra, Anne. Prends la caméra. Allez, vomis ta chance. Allez, vomis ta Je maudis ta base. Je maudis ta base. 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 Ta base.
prends ta malice et sors. Prends ta sédition et sors. La Bible dit que ton oui soit béni. Que ton oui soit oui.
Et que ton nom soit non. Par quel moyen tu rentres dans sa vie? Par le nom de Jésus. Quel est le moyen par lequel? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par les bijoux. Parle. Par les parfums. Parle. Par les vêtements sexy. Par quoi? Par les faux cheveux. Par quoi? Par les paradis. Par quoi? Par les colons. Par quoi? Quel est le moyen par lequel tu rentres dans sa vie? J'entends le nom de Jésus. On va bouger, parle avec toi. On va bouger, parle avec toi. Allez, sors de là. Le sang de Jésus se déverse. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Le sang de Jésus se déverse. Tu vas répéter après moi. Le sang de Jésus se déverse. Qui t'a passé? Vous l'avez vu. Vous l'avez vu ce que le Seigneur est en train de faire. Vous savez, c'est pas encore fini. Mais t'aimes aussi de recevoir. Voilà comment on fait les mains. Alléluia. Pour la bien-aimée, où il y a les manifestations, envoyez là sous la bâche. Quel est ton nom? Parle au nom de Jésus. Sous la bâche. Je déclare les toi, pas, des hôtels de sorcellerie. Je vais en déclarer après moi. Les hôtels de famille. Les hôtels des eaux, des forêts et des pierres. Enlevez le les mèches. Enlevez tout ce qui est mèche. Enlevez. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Le livre de Luc 19, verset 59. Alléluia. Tu vas le déclarer avec autorité. Mettez les mains comme ça. Je frappe la tête. Regardez là-bas, les mains. Monsieur, je ne fais pas les paroles en l'air. Bien aimé, tu as vu. Maintenant, tu as vu les démons qui sont dans ta vie. Et ça n'a même pas encore fini. Tu vas déclarer après moi. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit. Dis-le avec autorité, garde les yeux fermés. Tu vas répéter avec l'homme de Dieu. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit. Tu arrives à cet endroit. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et dit, sachez, hâte-toi de descendre, car il faut, que je demeure, aujourd'hui même, dans ta maison, sachez, se hâta de descendre, et le reçut avec joie, voyons cela, tous murmuraient, et disaient, il allait loger, chez un homme pécheur, mais sachez dit, Mais sachez, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, je donne aux pauvres, la moitié de mes biens, et si je fais tort, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadruple, Jésus lui dit, le salut, est entré, aujourd'hui même, dans cette maison, Seigneur Jésus, comme tu l'as fait, pour ton serviteur, sachez, je prie ce matin, que tu fasses descendre, ton salut, dans ma maison, dans ma vie, dans ma demeure, Saint-Esprit de Dieu, fais descendre, ton salut, dans ma maison, fais descendre, ton salut, dans ma maison, comme tu l'as fait, pour le serviteur, sachez, Seigneur Jésus, fais descendre, ton salut, dans ma maison, ton salut, Seigneur, les servants de Dieu nous ont enseigné que si nous avons des dieux étrangers en nous, si nous avons des fêtements publics en nous, si nous avons des dieux étrangers en nous, si nous avons un feu étranger en nous, continue de prier. Si nous avons un feu étranger en nous, le Seigneur nous a libérés. Si nous avons des fêtements étrangers, si nous avons des dieux étrangers en nous, je te prie ce matin, délivre-moi, dis-le avec autorité, délivre-moi, de ce feu étranger, de ce Dieu étranger, des fêtements étrangers, de cet étranger, Saint-Esprit de Dieu, délivre-moi, il est écrit dans ta parole, selon le livre de Actes 2, au verset 21, car
quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Seigneur, Seigneur, je sais que tant qu'il y a des esprits méchants dans ma vie, je ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi ce matin, je te prie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu la libères. Sauf tu la libères. Tu la libères. Je commande. Sauf ta servante. Reçois le feu.